Donc, le live commence. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce live. Alors, petite récapitulatif. En gros, on a des abonnés, suite à la vidéo des chasses au trésor que j'ai faite, ont décidé de créer leur propre site internet. Et parmi ceux qui ont créé des sites internet, certains ont créé. Attention, spoiler, tu peux récupérer ton live après. Ouais, ça je sais, ouais. C'est ça que. Ouais, c'est le rec qui a tout fait foirer, j'en étais sûr. Merci beaucoup, Verdoz. Donc, certains ont fait leur live, mais d'autres se sont inspirés de ce que j'ai fait et ont créé des chasses au trésor. J'en possède 4 pour l'instant. 4 abonnés ont fait chasse au trésor et on va se les faire ce soir ensemble. Alors, il y a des chances que ça dure pas forcément longtemps, parce que moi, ce que j'avais créé, ça m'avait pris une semaine à le faire et genre, il y en a certains en 7 minutes, il avait terminé. Donc, voilà, dans 1 heure, je pense qu'on a terminé le live, mais on sait jamais. Les énigmes peuvent être assez difficiles. Donc, du coup, ben, on est parti. Voilà, on est parti. Avec Firefox, voilà. Ah, oh, c'est magnifique. Ah, oh, c'est magnifique. Du coup, la caméra est lancée. Ah, je me sens pas d'attaque de faire l'intro en pleine vidéo stream avec vous. Donc, quand le stream sera terminé, je ferai l'intro de mon côté. Donc, on commence avec une énigme qui s'appelle le souterrain de Xorven. De Xorvan. Xorven, Xorvan. Est-ce que c'est une énigme basée beaucoup sur le dialogue? J'en sais rien. Alors du coup, je vais me mettre en plein écran et je vais profiter à fond. Sachez que j'ai le chat juste à gauche. Par contre, le chat ne sera pas enregistré, désolé. Bien, bien. T'as une de ces têtes avec la casquette. Eh, ne juge pas ma casquette, s'il te plaît. Bien, bien, bien. Bienvenue dans mon repère truffé d'énigmes à difficulté variable. Sortir de cet endroit peut te prendre beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ok, donc finalement, la vidéo va durer plus longtemps que prévu. Pour sauvegarder ta progression, il te suffit de noter le lien du sous-sol. Oui, ça c'est le principe des URL, comme j'avais fait. Ou alors te mettre la page en favori. Tout est basé sur la recherche. Donc, utilise des supports d'information. Non, utiliser des supports d'information n'est pas du tout considéré comme de la triche. Ah, c'est très intéressant ce que tu me racontes là, c'est pas de la triche. Tant que tu ne cherches pas à te faire spoiler, bien évidemment. Également, je te conseille de prendre en compte tout élément caché sur ton écran, ainsi que de prendre des notes. Eh bien, écoutez, vous me laissez 30 secondes, je vais aller me chercher un morceau de papier, un stylo, et s'il y en a qui veulent jouer avec moi, eh bien, je vous invite à faire de même, à tout de suite. Le morceau de papier. Du coup, arriveras-tu à t'échapper pour commencer? Et clique ici, nous sommes partis. Ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc nous sommes au 50e sous-sol. What? Le mec, il a créé 50 énigmes, sérieux? Pour monter au 49e sous-sol, il faut cliquer sur le bouton invisible situé dans la partie blanche. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez ma souris, parfait. Du coup, j'imagine que ma souris va se transformer à un moment donné, à un moment ou à un autre, dans la partie blanche. Sauf s'il n'y a pas d'autre endroit que la partie blanche. Est-ce que ça, c'est une partie blanche, peut-être? Oui, moi, je sens que c'est assez con. Non, c'est pas ça? D'accord. On ne peut pas vraiment monter, descendre. Ça commence mal. Est-ce que si je fais un contrôle A, quelque chose apparaît? Non, rien n'apparaît. Le détective qui n'avait pas de Oui, bon, ça va. Stop de me juger, please, arrêtez. bon, mais ça part sur du spam, du coup. Putain, t'imagines, je suis déjà bloqué à la première énigme. Non, je ne veux pas. Là, c'est le moment où dans la vidéo, du coup, si vidéo il y a, il y aura un petit message 2000 ans plus tard, là-haut. Ah, quelqu'un me dit là-haut, c'était, j'avais la bonne façon de penser. Peut-être qu'il y a un truc en haut. Moi, ça me. Oui, j'ai vu la main se transformer. J'ai vu la main se transformer. Ok, 49e sous-sol. Magnifique ciel, n'est-ce pas? Est-ce que tu me demandes d'écrire le mot. Oui, bonjour. Il s'est passé un truc, non? Est-ce que tu me demandes d'écrire le mot ciel dans l'URL, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, non, il n'y a rien à cliquer. Magnifique ciel, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un truc caché dans le ciel de Montpellier? Non, il n'y a rien, pourtant, je ne sais pas. Le son n'est pas assez fort. Non, sérieux? Please. Test 1, 2. Non, si tu veux, je peux l'augmenter un peu plus. Est-ce que ça te va mieux comme ça? J'ai peur que ça sature. Hein. Voilà, est-ce que ça te va mieux comme ceci, là, comme ça? Ok, très bien. Ah, je vois qu'il y a des gens qui font des dons. Je vous lis juste après cette énigme-là. Bah écoutez, on va tenter d'écrire ciel pour voir ce qui se passe. Et ça ne mène nulle part, ce n'est pas ça. Monte l'écran. Je ne peux pas monter plus l'écran. Qu'est-ce que vous voyez, vous?
Oui, vous voyez le sommet de la page, on peut pas voir plus que ça. Magnifique ciel, contrôle A, rien ne se cache. Le ciel. Le ciel, j'imagine que c'est en haut, c'est la partie haute du magnifique ciel, n'est-ce pas? Je suis bloqué. Ah, vous voulez peut-être que je vous montre les URL, mais c'est pas bête ce que tu viens de me dire là. Je fais ça tout de suite. Mais du coup, ça va réduire un petit peu la fenêtre, malheureusement. Voilà. Normalement, vous voyez un peu mieux les URL. L'URL, c'est xoverandcharger.wixsite.com sous-sol49. Ah, attends. Est-ce que ça serait pas aussi con que ça si je mettais sous-sol48? Oh, 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 je suis à la fois étonné, à la fois déçu. 2, 3, 5, 7, 11. Tu sais où écrire la réponse. Ok, bah ça c'est le truc le plus facile au monde. Hey, Alexandre Calvez, le vrai? Serait-ce le vrai, le véritable? L'homme dont on parle dans les journaux, véritablement? Du coup, j'avais dit que je lirais les dons à l'énigme suivante. Donc, à la fameuse Calmi Angie, forcément. T'es trop beau comme ça. Tu veux dire que je me suis mis une vieille casquette de détective et tu me trouves trop beau. Ben, c'est un compliment, merci. GG pour le cosplay. Allez, on va voir si tu es doué et au pire, laisse le live en rediff. J'ai bien envie de travailler sur une vraie rediff de vidéo et pas seulement une rediff que je balance comme ça, mais merci en tout cas. Sunny, qui. Oh, attends. Parce qu'il faut que j'allume le ventilateur, n'oubliez pas ce concept, sinon l'ordinateur plante. Donc, du coup, je lui balance le ventilateur dans son aération. Farod, j'adore tes vidéos. Super le cosplay. Merci beaucoup. Et coucou YouTube au passage. Alors, YouTube, sachez qu'il y a Sunny qui vous fait coucou. Chamallow pour agrandir ta collection de casquettes, merci. Merci à Budo Masuta 231. Salut du Québec, et eh ben coucou à toi. Et du coup, coucou à Alexandra. J'ai eu un petit roux en même temps que j'ai dit Alexandre, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pas réfléchi du coup. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11. Attends, 2, 3, donc plus 1, 3 plus 2, 5, mais encore plus 2, 7. De 7 à 11, fat. 8, 9, 10, 11. Du coup, 11 plus 4, je dirais 15. Je suis pas sûr. Ah, j'ai écrit 15, c'est pas grave. Je recommence. Nous n'avons rien vu. Et ce n'est pas ça. Ah. Aurais-je mal compté? Est-ce que je serais un tricheur et j'écrirais 14 puis 16 comme ça pour voir ce qui se passe? 14, je sais même plus si ça s'écrit comme ça. Non. 16. Ah, j'ai tellement pas de patience. Ok. Alors, non. 2, 3. Ah, peut-être en chiffres. Peut-être qu'il me demande d'écrire en chiffres. Si j'écris 47 ou 46, n'importe. Ah, c'est vrai? Si j'écris 47, ça triche? D'accord, ok, je le ferai pas. Du coup, on avait dit 11, 12, 13, 14, 15. Si j'écris en chiffres le numéro 15, ici, ça ne marche pas. 14. Ça ne marche pas. 16. Ça ne marche pas. Alors du coup, je dirais... Putain, j'ai envie d'écrire sous-sol 14, mais j'ai peur de... Ah ben non, de toute façon, il n'y a pas de sous-sol jusqu'à 14, donc je ne sais pas. Ah, ce sont les nombres premiers, mon Dieu, mais tu as raison. Non, en fait, j'en sais rien. Je fais genre, je sais, mais non. 13. Yes! Yes, c'est ça. C'était ça, bravo. Du coup, bravo, attention, qui me l'a dit? J'avais lu le message de Luna Charley. Comme ça, Luna. Comme ça, Luna. Voilà, comme ça. Du coup, putain, nous avons une putain d'énigme. J'ai trois films de la faire. J'ai pas envie. Bonsoir. En tout cas, il y a écrit nom propre en haut, dans l'onglet. Ça sera peut-être un indice. Donc, 0 égale A, 1 égale B, 2 égale C, 3 égale D, etc. Jusqu'à 25 égale Z. Il n'est pas censé y avoir 26 lettres de l'alphabet. Ah si, parce que tu as commencé avec le A égale 0. Ok, laisse tomber. Par contre, le coup des lettres, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D égale D, H égale H, K égale K, T, H, H, I, Rota, K. C'est pas des lettres en espagnol? D? Ah, ouh, je crois que je suis parti trop loin. Parce que l'alphabet en espagnol, ça se prononce comme ça. B, C, D, E, F, H, I, Rota, K, K, L, O, P, Q, R, E, C, T. Ouh. Oula, oula, on est peut-être sur une piste. Du coup, qu'en est-il du nombre 13? Alors, le nombre 13 dans l'alphabet, c'est... tellement la flemme de réfléchir. A, alors je vous fais comme ça. A, non. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
Du coup, on nous demande d'écrire la lettre N. Et dans l'alphabet espagnol, je sais pas, parce que du coup, comment ça se prononce? Enne? Enne. Je crois que ça se prononce Enne. N en espagnol. prononciation. Prononciation du N en espagnol. Mais du coup, il va me faire des N avec la vague et tout, c'est chiant. N. N. Ah! HHKK. Oh merde, putain. Laissez tomber parce que je suis parti dans un délire de l'espagnol. C'était pas du tout ça. Le D, il se prononce D, donc on écrit comme un D. Le H se prononce comme une H, donc on écrit H. Et du coup, N, bah, ça se prononce comme la N. Non, c'est juste moi qui suis parti dans un gros délire à l'espagnol, mais c'était faux. J'étais trop content d'avoir trouvé un truc, mais en fait, c'est pas ça. Ah! Bim! Bim! Oui, c'est pas N. Je viens d'écrire N, hein, vous l'avez vu. Je vous le refais si vous voulez. Regardez bien l'URL. N. Les majuscules ne sont pas comptabilisées là, dans ce site. On s'est trompé, on a mal compté. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. N. La N. Il y a d'autres mots qui se prononcent N. Je crois. Mais arrêtez d'écrire N, vu que c'est pas ça. Écoutez, moi je veux quand même essayer le. Non, ça marchera pas. N. Quel mot s'écrit N? N. Non, mais ça. Ce qui avait l'air d'être le mieux, c'était la N en fait. Je sais pas. N. Ah, j'ai tellement cru. Mais c'est M la 13. Non, parce que tu pars de A égale 0. S'il te plaît, ne me fais pas dire des bêtises. N. Tu veux dire qu'on l'écrirait comme ça? Peut-être? Non, pas comme ça non plus. La ville? La ville? Il y a une ville qui s'appelle N? Tu crois? Peut-être? Je ne sais pas. Je ne connais pas la France par cœur. Et non, ce n'est pas ça. Le nez? Pourquoi le nez? Quel rapport? Moi, j'écris tout ce que vous me dites d'écrire, hein. N égale N. Alors, je répète, la N, Haine, ne marche pas. Naine? Comme une naine? J'y crois pas. J'y crois pas et c'est faux, c'est pas ça. Ouais, il y a une partie du corps qui s'appelle la haine, mais je sais plus ce que c'est. La. Écoutez, on va tous les faire. Hein. On va pas s'embêter. N. Non. N. Non. N. Non. Il y en a qui pensent que c'est M. Moi, je veux bien essayer. Mais si c'est ça. Non, non, le mec, il a pas dû se tromper. Ils sont partis en mode ça y est, c'est la lettre L et tout. Non, 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 moi je vous dis c'est la lettre N. Mais sauf qu'on a pas encore trouvé ce que c'était. N'hésitez pas à aller regarder dans Google. Écrit 13. Sérieux? Non, je ne pense pas. Il faut un mot qui se prononce N. Et ce n'est pas la N avec un H. E-E-N en néerlandais, tu dis? Peut-être. Ce n'est pas ça. Alors, attends, j'ai vu un truc. Quentin Chapaz qui nous dit M. Non, c'est pas ça, on l'a déjà essayé. Et non, N. Nah, on est bloqué les gens. Ah. Qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, on va revenir en arrière. Aurais-je mal lu l'énigme? Je reviens. Non, c'était pas celle-là. 1 égale B. Non, non. Je pense que c'est du binaire à gauche de la page. Il est écrit 0. Non, 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 non. C'est clairement pour nous dire que chaque lettre de l'alphabet a un numéro en fait. Le N, Hein, déjà testé, ça ne marche pas. Il faut un mot qui se prononce N en fait. Voilà. Juste N. Est-ce que tu crois que le mec il a trollé jusqu'au bout? Non, il ne se l'est pas permis. Avec un S en plein milieu peut-être? Estne? Et ça se prononcerait. Oh putain, on a trouvé! Bravo à Alex23. Alors là, je suis comme un con. Esne, qu'est-ce que c'est que ça? Esne, un ancien médecin soupçonné. Ah, c'est une ville. La ville de. C'est un département français. Un département qui s'appelle N, mais qui s'écrit avec un S. Putain, si tu le sais pas, va le savoir. Du coup, toi qui as créé l'énigme, on sait où tu habites. Fais attention maintenant.
Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Putain, je pensais vraiment pas avoir pris. Enfin, je pensais avoir pris l'énigme la plus facile parce que je vous rappelle, on en a quatre autres, trois autres après. On a celle-là, toute bleue, on a celle-là, on a celle-là. Mais du coup, je pense qu'on va toutes se les garder pour un autre stream et on va se concentrer seulement sur celle-là ce soir. Donc, du coup, nous avons des numéros. N'hésitez pas. Là, du coup, je serais tenté de tous les réécrire parce que je sens qu'on va en avoir. Je parie que c'est elle. Non, non, mais on est passé à une autre énigme là. Alors 0263. Ah non. Alors le 02 ne bouge jamais. Donc ce sont toujours les trois derniers chiffres qui changent. Y a-t-il un truc caché? Oui. Ce numéro là, il a un espace. Non, attends. Pourquoi ce numéro, il a que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Non, 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 juste désolé. 03, pourquoi? Il doit y avoir un. Ça doit bouger, attendez que je réfléchisse. Ça passe de 600 à 700, puis on repart à 0, puis 200, 600, 300. Ouh, je ne sais pas. Essaye de les marquer dans la barre URL. Je suis tenté de les prendre un par un et de les marquer un code postal. C'est pas con du tout ça. C'est quoi le code postal de N, juste pour savoir? N, code postal. Est-ce que ça y ressemble au moins? Ouh, ça commence par un 0,2. Ouh, on se rapproche. On se rapproche. Le titre de l'anglais s'appelle Expédition. Ok, donc de toute façon, on n'est pas loin. Le code postal de N, ça commence par 02. On va tous les faire un par un. On va bien voir ce qui se passe. Je pense clairement pas que ce soit ça qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est une grosse bêtise de vouloir faire ça. C'est juste de la perte de temps. Surtout si on met pas les bons mots. Ça bug? Non, ça bug pas. C'est toi qui bug. Tu as une connexion en mousse. N. N, N, N. Je vais la chercher, attendez. Liste des communes de l'Aisne. Expédition. Waouh, il y a beaucoup de communes dans l'Aisne. On va aller dans Google et on va taper code postal. Tu. Ah, Yahoo France, mais quelle horreur! Code postal. Oscaro. Non. Ah là, vous êtes plein à me proposer 1 milliard de codes dans le chat, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, en fait. Je suis le seul à rien comprendre. Je suis désolé, Budo, Masuta. En fait, on est en train de faire une énigme où il y a juste ces numéros qui sont affichés là. Et c'est tout. On essaie de comprendre plus qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, pas de vidéo, en fait. Ça sera juste un petit live entre nous, du coup. Voilà, vous n'hésitez pas. Moi, j'essaie de réfléchir un peu, mais c'est chaud de réfléchir et de lire le chat en même temps. Surtout que vous êtes 1 milliard à balancer des chiffres. Genre, expliquez au moins pourquoi vous lancez des chiffres. Toi, tu me fais un truc de plus petit ou plus grand, peut-être. Non, je ne pense pas. Le code postal qui n'existe pas ou qui existe. C'est pas con, là, ce que tu es en train de me dire. On va faire ça. On va faire ça. Code postal. Alors, on va commencer. 0, 2, 6, 3, 1. Ah oui, mais alors à ce moment-là, si c'est un qui existe ou qui n'existe pas, je peux tous les essayer un par un. On sera forcément obligé de tomber sur le bon au bout d'un moment. Mais je pense pas que le mec ait fait quelque chose d'aussi simple. Mais écoutez, on va quand même le faire. Mais j'y crois pas. Moi, je pense plutôt qu'il nous demande d'essayer d'en trouver un autre. Peut-être le code postal le plus connu de sa ville, enfin du département de l'Aisne. Je sais pas. N'hésitez pas à aller chercher dans Google aussi un peu de votre côté. Ne me laissez pas seul, aidez-moi à résoudre l'énigme. Rien, on a presque fait la moitié pour l'instant, c'est triste, je me sens pas bien. Toujours rien. Il fait de plus en plus chaud. C'est génial. Non, il m'en reste encore plus que deux. Moi, c'est impossible qu'il nous ait mis la solution ici, ça serait trop simple. S'il nous en avait mis qu'un seul, j'aurais essayé de le traduire avec les lettres de l'alphabet, comme le code qu'il nous avait donné tout à l'heure, mais là ça ne va pas, il n'y en a aucun qui marche. Chaque code postal correspond à une ville, la première lettre de chaque ville forme un code. C'est tellement possible en plus ce que tu viens de dire. La dernière lettre de tous les codes.
Ah oui, la première, la dernière, celle du milieu. Enfin, il faudrait quelque chose de plus précis, non? C'est Saint-Quentin, la ville la plus connue de l'Aisne. Merde, Saint-Quentin, il y a un espace. Ça va pas du tout, ça. Oh, putain, le nombre de personnes. Va sur la liste des un message de Kevin Gauthier. Hein. Va sur la liste des codes postales comme t'avais dit, j'imagine. Et les codes postaux, là, tu prends la première de chaque ville et ça te donne une question. Ça te donne une question? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, on va faire ça. Je prends mon papier, mon stylo. Et nous sommes partis. Donc le premier, c'est la ville de Cuierzy. Donc on va écrire Cuierzy. Voilà. Le deuxième, c'est 755, putain ça va être long, c'est la ville de Ursel. Putain c'est peut-être ça en plus. Le troisième, c'est 039 et c'est la ville de... attends, je l'ai bien écrit? 02039, 02039. Oula, ils sont cons, ils vont me le chercher en Italie celui-là. Ah non, autrement court il s'appelle. Autrement court. Je vérifie le chat si jamais il n'y a pas quelqu'un qui l'a trouvé avant. Laon, le chef-lieu de... Ah peut-être, tu veux dire qu'il fallait partir de là directement? On va continuer ce que je suis en train de faire. Hein. Non, c'est pas ça, c'était pas Laon. Alors ensuite, après le 039, nous avons le 259, qui est la ville de Damble. Pour l'instant, on a quad. Mais peut-être que ça va être ça, en fait, un mot avec les premières lettres. Hein. Ensuite, nous avons 659. 659. La réponse est quadrillage. Peut-être que tu as raison. Quad, oui, pour l'instant. Là, ça va être Rouvroy. Et on s'approche de plus en plus de quelque chose qui ressemble à quadrillage. Du coup, je suis tenté de te faire confiance pour pas faire attendre tout le monde dans le chat. Et on va écouter la réponse de... Je ne sais plus qui l'a dit. Je suis désolé, mais je pense que tu n'étais pas le seul. Mais du coup, merci à tous ceux qui ont écrit au moins une fois quadrillage dans le chat. Enfin, je vous remercierai dans 5 secondes si jamais c'est bon. Parce que si c'est pas bon, dommage. C'était pas compliqué finalement, c'était pas compliqué, il suffisait vraiment de perdre son ton à faire ça, en fait, son ton, perdre son poisson même. Excellent. Du coup, nouvelle énigme. Alors qu'avons-nous là en fait? Nous avons des coordonnées. Non, nous avons B18, B19, B20. Il fait un saut à la ligne C20. Il refait un saut à la ligne D2, D3. Ah, ça me rappelle des trucs ça, Ouh, je sais pas. Hein, je sais pas, regardez, j'ai. Oh! Ah, coucou. Ah. Dégueulasse. Ça y est, je commence à perdre patience. B18, B19, B20. Est-ce qu'il faut que... Putain, mais B18, mais ça... C'est pas le... Ça me rappelle un truc, mais c'est pas... Je dirais pas des trucs de bataille navale, mais ça me rappelle quelque chose. Je crois que j'avais appris ça en maths, quand on faisait les matrices. Putain. Le mec, il essaie de se souvenir du lycée, le truc était il y a 5 ans ou quoi. Replace les points dans un quadrillage. Oh putain, le génie. Surtout que le jeu, enfin le site s'appelait quadrillage. Oh merde, c'était écrit en haut, je l'avais pas vu. Dans l'onglet, il y a écrit, c'est plus pratique avec un support à carreaux. Effectivement, j'ai pas de feuille à carreaux, mais je vais essayer de me créer moi-même mon propre quadrillage. Le truc, c'est que j'ai juste un petit prospectif comme ça, donc je vais aller me chercher une autre feuille. Je vais aller me chercher le bail de l'appartement que j'ai signé et ça me servira pour faire mon quadrillage. À tout de suite, à dans 2 secondes.
Ouais, je préférais prendre ma facture orange du coup. Donc, on va se tracer un quadrillage. De combien sur combien, je sais pas. Alors là, no spoil, parce que j'ai vraiment envie de me le faire du coup. Attention à la petite pipe. Oh, comme ça. Alors, quadrillage. 1, 1, 1, 1, 1. Je sais pas combien on va en faire. J'aurais peut-être dû compter combien il y a de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur. Le plus grand, c'est 20. Et il part de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on a dit qu'on en faisait 20. J'aurais pas la place là. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc on en fait 13. Alors laissez-moi 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Putain, ça va être génial. Je sais pas si on est en train de faire ce qu'il faut, mais ça a l'air trop cool. Alors là, le mec, l'abonné qui m'a fait cette énigme, alors je sais pas s'il s'est inspiré d'autres choses, je sais pas s'il a appliqué les énigmes ailleurs, mais le mec, c'est un génie, quoi. Ok, alors, ça va être long, je suis désolé, ça va être long. Utilise Excel. Putain, je me suis fait chier à faire un tracé comme ça. Non, écoutez, moi je continue avec mon papier. Je suis tenté de faire Excel. Ah merde, fais chier, putain, je vais faire Excel, allez. Mais c'est pour vous faire plaisir que je fais Excel, voilà. Est-ce qu'au moins j'ai Excel? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai Open Office? Oui! Open Office Calc. Bah ben voilà! C'est très bien ça! Ah, je suis désolé! Putain, je me suis fait chier à tracer des trucs, mais n'importe quoi! Ah merde! Aïe 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 aïe! Bon, laissez juste le temps à Open Office de s'ouvrir. Voilà, et je vous dirai en direct ce qui va se passer, vous n'allez pas le voir. Ah, mais oui, mais putain, il y a même les lettres et les chiffres! Putain, non, mais là j'ai trop honte! Je suis saoulé, voilà, je suis saoulé. Ah mince, il y a eu des messages pendant que je n'étais pas là, je vous lis ça tout de suite. Du coup, je suis seul à rien comprendre, on l'a vu. Kevin Gauthier, je t'ai vu. Fuzia Yagami, je t'ai pas oublié cette fois-ci. J'avais commencé à comprendre, mais là j'abandonne, je suis perdu. Bon courage, je teste après MDR. Merci et merci à Kawix. Du coup, alors, donc B18. Voilà, c'est parti. B18, on fait quoi? On les change de couleur à chaque fois? Insérer. Non, ça va être chiant à chaque fois, non? On va mettre un W. Ok, non, ça m'a fermé la page. B18. Voilà, W. Ensuite, on a B19. W. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, dans le chat. Je ne veux pas voir. Je veux le faire par moi-même. Et vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. B20. Ensuite, on a. C20, ça va faire un dessin, je suis sûr, mais ça va être trop bien. Alors, il va de D2. Non, comment on peut descendre automatiquement? La touche entrée. Voilà, 3, 4. Ensuite, il va 7, 8, 9, 10. Puis ensuite, il descend à 18, 19, 20. Ensuite, le E, il fait 4, il fait 7 et il fait 9. Ensuite, le F, il fait F. 4, F7, F8, F10. Hop, 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 on ne s'arrête pas en si bon chemin. Le G. Ah mais non, mais du coup, je ne les vois plus. Attendez, laissez-moi 2 secondes. J'en vois dans le chat qui commence à s'impatienter. Eh, une énigme, c'est pas fait pour être résolu en 5 minutes. Attention, je vous préviens. Donc en F, c'est fait. En G, il n'y en a pas. En H, il n'y en a pas. On part directement à K. K4, W, KF. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, non, c'est pas. C'est K8. K8, K10. Et par contre, il y a J. J'ai oublié le J, pardon. J2, J3, J4, J8, J9 et J10. On a fait J, maintenant le L. L2, L3, L4, L8, L9, L10.
L15, L16, L17. On a fait plus de la moitié pour l'instant, ça va être rapide. Alors M15 et N15, puis M17 et N17, et enfin P. Ou P, il y en a beaucoup. P2, P3, P4, P5, P6, perdu. P9, P10, P11, P13, puis ensuite le Q, mon gars, le Q. Q2, Q4, Q6, Q9, Q11, Q13, et pour terminer, dernière lettre, et on aura fini. Et je ne sais pas encore, je ne vois pas encore ce qui se passe. R2, R6, R9, R11, R12 et R13. Je mets la fenêtre en grand. Et qu'est-ce qui s'affiche? Et qu'est-ce qui s'affiche? Ah! Je sais pas. Ah, il aurait fallu que les grilles soient un peu plus. Ah, c'est. Il y a quelque chose d'écrit, d'accord. Un L, un U, un E, un R. Alors, je vais écrire ça, 2 secondes. L, U, E, R, O. Par contre, lui, il est décalé. Il fait un S. Et là, tout à gauche, il y a un U. Et là, au milieu, il y a un C. Merde, l'énigme n'est pas terminée. Allez, je vous lis maintenant un peu. Alors oui, vous ne voyez rien, c'est normal, j'avais dit que vous ne le verrez pas. Du coup, ce qui nous affiche, ça par contre je peux vous le montrer, mais vous n'allez rien voir, j'imagine. Voilà, il nous affiche quelque chose comme ça. LUERO-SCU. T'as oublié les K? Oh, non, sérieux? Non, non, les K, ils y sont, c'est bon, pas de panique, j'ai rien oublié. Bon, si vous voulez vraiment que je vous le montre, je vais vous montrer, attendez. Je vais vous montrer. C'est juste que je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour vous montrer ça. Je sais capturer du Google Chrome, du tout ça, mais un logiciel Excel, je sais pas faire. C'est gênant, je ne sais pas faire. Un, 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 un. Désolé, je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors, moi, je pense plutôt. Écoutez, il faut juste me faire confiance. Il y a des lettres LUERO-SUC. Elles ne sont pas dans l'ordre. Elles ne sont pas affichées au bon endroit. Moi, je pense plutôt que c'est un mot à trouver, en fait. Et ben voilà, on me l'a déjà trouvé. Moi, je voyais le mot couleur qui était en train d'apparaître, mais je voulais prendre le temps de tous les écrire. Donc, du coup, COULERS. Couleur avec un S à la fin. Voilà, je peux vous le remontrer encore une fois si vous voulez. Il y avait ça qui s'affichait dans le. Hop, juste là. Voilà. Il y avait ça qui s'affichait dans le fichier Excel. Du coup, les lettres, quand tu le remets dans le bon ordre, ça écrit le mot couleur avec un S à la fin. Visite médicale? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le titre de l'onglet. Visite médicale. Tiens, tiens, tiens. Oh, je suis docteur. Docteur qui, dites-moi? Docteur who? Tu es docteur. Un patient te dit qu'il a des fois du mal à différencier la couleur de la pelouse avec celle d'un ciel éclatant. De quoi le patient est-il atteint? Vous me demandez véritablement le nom de cette maladie des yeux? Oh putain, le daltonisme peut-être? Non? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait écrire dans l'adresse URL? Maladie daltonien. C'est juste pour savoir comment elle s'appelle exactement. Daltonisme, oui, c'est ça. De quoi le patient est atteint? Il est atteint de daltonisme. Mais je pense pas que ce soit aussi facile, hein. Daltonisme. Ben voyons, mon cochon. Et si j'écris daltonien? Ouais, non, c'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'il faut réfléchir un peu plus, quoi. Il est aveugle. Pardon, tu m'as fait rire. Non, c'est pas daltonisme du coup, ce n'est pas daltonien non plus. Je suis docteur. Déjà, je ne suis pas docteur.
Est-ce qu'il y a quelque chose caché ici? Non, il n'y a pas un truc avec les couleurs à faire. Un patient te dit qu'il a des fois, du mal à différencier la couleur de la pesoule avec celle d'un ciel éclatant. Donc il a du mal à différencier le vert et le bleu. De quoi le patient est-il atteint? Non, c'était ridicule. Vous n'avez rien vu. Alors là, on me sort un putain de nom, achromatopsie. C'est fou, c'est vrai. C'est fou, il y a une maladie exprès pour les gens qui... Hey, je voulais pas en mettre autant. Et c'est pas ça. Le protanope. Ah ben, essayons ça tout de suite. Et c'est pas ça non plus. C'est achromatsopie. Je crois que c'est ce que j'avais fait juste avant. Et ben, c'est pas ça non plus. La pesoule. Pourquoi il y a plein de gens qui disent pesoule? Il voit à l'envers. Ah, il voit à l'envers. Ouh, tu tiens un truc, toi. Tu tiens un truc, mon cher Némésis. Il voit à l'envers. Une maladie qui ferait qu'il ait la tête en bas. Est-ce qu'il y a une maladie qui t'oblige à avoir la tête en bas? Je ne sais pas. Par contre, il y a plein de gens qui disent la pesoule. Mais je sais pas ce que c'est la pesoule, c'est quoi? C'est une blague que vous faites... Enfin, c'est un jeu de mots que je suis censé comprendre ou... Non, je sais pas ce que c'est. Non. XD, la pesou, mais c'est quoi ça, la pesou? Ok, je sais pas, il y a eu un délire là. Les mecs se sont tapés une barre à un moment. Il est myope, je ne pense pas que ce soit ça le mot qu'on recherche. Hein. Sinon, c'était pas aussi précis à mon avis. Et puis en plus, c'est pas myope, c'est myopie qu'il aurait fallu écrire. Et je me doute que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, bien évidemment. Merci, au revoir. Oh là, mais il me balance tout autisme, très bien, bourré. Pourquoi pas? Bon, écoutez, je ne sais pas. J'ai trouvé, c'est tritanopie. Me balancez pas des trucs comme ça pour balancer des trucs. Oh merde. Alors, mais je refuse totalement. Qu'est-ce que la tritanopie? Encyclopédie Larousse en ligne. Oui, TG. Cet article, la tritanopie est une dédicrozylarique peu très rare. Le sujet qui en est atteint confond essentiellement le vert, le bleu et le violet qu'il voit en gris avec des nuances d'intensité. C'est très intéressant. D'accord, donc il y a une espèce de prolongation du daltonisme qui ne te fait confondre que le bleu et le vert. Ça doit pas être marrant à vivre. Eh bien, du coup, très intéressant. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai pris le message de Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Là, on a des couleurs. T'as le mec qui s'est fait chier, il a fait 50 énigmes, il est totalement fou. On a des couleurs. Alors, dans l'onglet, il y a écrit tu es le patient désormais. Donc, ça veut dire quoi? Je suis déjà malade et je vois mal les couleurs, ou alors je devrais me mettre à la place de cette personne qui voit mal les couleurs. Je retourne lire la définition. Le sujet qui en est atteint confond essentiellement le vert, le bleu et le violet. Ici, on a deux espèces de vert et de bleu, donc du coup, les deux couleurs du haut, on les confond. Donc je vois du gris en fait. Là, je vois du gris et du rouge. Avec des nuances d'intensité, il n'a pas de traitement de sa feuille. D'accord, donc je vois du gris et du rouge. Qu'est-ce qui est gris et rouge? Le premier qui me répond, j'attends, il est banni. De suite. Merci à Manon. MNT, j'espère que tu n'as pas rêvé de moi de nouveau. Qu'est-ce qui est gris et rouge? Ou alors il suffit simplement d'écrire gris, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple. Non, il me dit que maintenant je suis le patient. Je vois du gris et du rouge. Du gris et du rouge. Bah du coup, vu que je vois que du gris, enfin non, vu que le gris, je ne le vois pas, je ne vois que du rouge et ce n'est pas ça. Quelle est la mélange? Si on mélange les couleurs, non, ça doit pas être ça, non. Oh putain, vous écrivez tous Jonathan, mais je vous déteste. Voilà, actuellement dans le chat, ils sont contents, ils écrivent tous Jonathan. Je voulais que je vous fasse plaisir, c'est ça? Et bien voilà, allez, on écrit Jonathan. Putain, t'imagines? Oh putain, j'ai eu peur que ça nous trouve un vrai truc. Grouge! Il y a quelqu'un qui propose Grouge. J'y crois moyen, non, c'est pas possible. Il n'y a pas un texte caché. Non, 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 ça serait pas aussi simple que ça là. Il faut vraiment se mettre à la place du... Hey, je veux... Arrête. Attends, quoi? Regardez, je confonds les couleurs, excellent.
Est-ce qu'il n'y a pas un drapeau? Moi, je demande, est-ce qu'il existe un drapeau qui soit gris et rouge? Et on choisira le nom de ce pays. Drapeau gris rouge. Non, ça n'a pas l'air d'exister. Quel dommage, ça aurait été parfait. Bah alors vert du coup peut-être, vu que le bleu je le vois vert, vert rouge. Et il y en a, mais pas dans le bon sens, mais c'est... Ouh, si, 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 si! La Biélorussie! Toujours plus chiant à écrire. Biélorussie. Biélorussie. J'y crois moyen. Évidemment, ce n'est pas ça. Ah, je suis pas le seul à avoir pensé à un drapeau de pays. Apparemment, on me dit que c'est la Pologne. Ne serait-ce pas un drapeau? Et voilà, NJ. Et voilà, NJ. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Non, c'est pas la Pologne. Je vais chercher encore. Là, il y a un drapeau qui est Bélarus. C'est un pays, ça, Bélarus? C'est quoi ça? Bélarus. Ah, j'écris avec un K, pardon. Bélarus. Nope. Et pourtant, celui-là, quand le Bélarus proclama... Vous êtes sûr? Bélarus, c'est exactement ça. Ah non! Ah non, 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 il est dans l'autre sens. Nous, on cherche du vert en haut et du rouge en bas. Qu'est-ce qu'il y a de vert en rouge et de... Non, de vert en haut et de rouge en bas, je ne sais plus parler. Bah oui. Oui, forcément, il y a le Portugal, mais c'est pas dans le bon sens, Portugal. Portugal, mais après, c'est le plus simple. Et évidemment, c'est pas celui-là. Un drapeau LGBT. Non, 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 pas du tout. Il n'y a que trois couleurs, voire deux. Après, on peut essayer tout ce qui est Algérie et tout ça, mais là aussi, Algérie, j'y crois pas du tout, parce que de toute façon, il y aurait eu un logo, une étoile, toutes ces petites bêtises, donc du coup, c'est pas ça. Je crois qu'on est parti trop loin avec Pays-Bas, Italie. Mais non, mais non, mais non, mais non, là, vous me parlez de trois couleurs. Mais après, c'est possible en fait, oui, parce qu'il y a trois couleurs. Alors, un drapeau qui est comme ça, dans la longueur, avec du rouge en bas. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fait Italie là? Ouais, Italie ça marche pas. Pays de Galles, Hongrie, Hongrie. Nope. Pays de Galles. Je sais pas comment l'écrire. Enfin, je veux dire avec des espaces, c'est compliqué d'écrire un pays avec des espaces. Bon, un drapeau avec du rouge. Drapeau bande rouge. Au moins on sait qu'il y a du rouge. Et je dirais, voilà, du vert. Alors là, nous avons... je sais pas ce que c'est ça. Et allez, Google, c'est quand que tu veux que tu me donnes le nom de ce drapeau. Non, il ne veut pas. Non, Google, il m'a dit tais-toi, t'es moche. Ok, il m'a dit non. Alors, ça dit quoi ici? Peut-être pas du rouge, mais du violet. Ah, ta-ta-ta-ta-ta, mais c'est que tu as peut-être raison en plus. Anomalie. La vision de couleur caractérisée par l'impossibilité de distinguer certaines couleurs du spectre lumineux du vert au violet. Donc du vert au violet, il ne peut pas y voir les couleurs. Donc dans le drapeau, il ne peut pas y avoir de vert ni de violet. Donc, on revient, un drapeau rouge. Il peut ni voir le vert, ni voir le bleu, ni voir le violet. Donc ce qu'il y a en haut, il ne peut pas le voir. Si on considère que ce qu'il y a en haut là, c'est du bleu ou du vert. En tout cas, au milieu, il ne peut pas le voir. Là, il voit du gris. Il voit en gris, avec des nuances d'intensité. En gris. En gris. Donc, un gris foncé, un gris clair et du rouge. Je ne connais pas de drapeau comme ça et je suis sûr que ça n'existe pas. Ah, c'est compliqué. La Russie, vraiment, la Russie, tu y crois, toi, au fond de toi. Et ce n'est pas ça. La France, mais non, je te rappelle, la France est dans l'autre sens, les bandes, c'est pas dans ce sens-là. Triste. Les Pays-Bas, je l'ai pas encore testé, les Pays-Bas. Avec un tiret, mais ça me gêne d'écrire une URL avec un tiret, c'est trop bizarre. L'Allemagne, on va pas tester, mais je vois pas pourquoi le noir il viendrait là. Non, c'est pas l'Allemagne. Je crois qu'on est parti trop loin. On est parti trop loin avec les drapeaux, peut-être. Hein. Eh, on s'est peut-être pris la tête. Hein. La Slovaquie, je crois que je l'ai fait, je crois que c'est le premier que j'ai fait celui-là. Oups, ça n'est pas ça. Écoutez, moi je vais faire tout ce que vous me proposez. Indonésie, c'est pas ça. Luxembourg, je ne l'ai pas fait, mais j'y crois pas. Avec un G à la fin, Luxembourg, pas ça. Hongrie, j'ai fait... Ob? Pourquoi Ob?
Oula. 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 Attendez. 37. Oula là, on passe de la 43 à la 37. Non, 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 il y a un problème. Il y a quelqu'un, il a triché là. Il m'a donné une astuce pour aller plus loin. C'est pas cool ça. Pas cool du tout. Non, non, on n'a rien vu. Mais merde, on connaît la réponse pour une prochaine énigme. Pas cool ça. Daguestan. Le pays de Daguestan. Non, c'est trop perché. L'Iran. Mais non, mais l'Iran. Mais non, pas l'Iran. Non, non, on va trop loin. Fais F12 et regarde bien. Pourquoi tu me dis ça? Non, pas F12. T'es ouf ou quoi? On va pas tricher. Y a rien à regarder. Il faut se mettre dans les conditions du mec qui voit les couleurs. Enfin, du coup, il voit pas les couleurs. Donc, en fait, il faut... Je vais redire... Un patient te dit qu'il a des fois du mal à différencier la couleur de la pelouse et celle du ciel. Donc, du coup, il a du mal à différencier la pelouse verte, le ciel bleu. Du coup, là, on a du mal à différencier. Il n'y a pas vraiment de vert, en fait. Il n'y a que du bleu. Donc, le bleu et le bleu, on le voit de la même couleur, c'est sûr. Donc, il nous faut un drapeau avec une grosse bande d'une certaine couleur en haut et une petite bande rouge en bas en rouge. Et je suis bloqué comme un gros con. Et je ne sais pas. Et tout ce que vous me proposez depuis tout à l'heure, on l'a déjà testé. Laissez-moi juste le temps de chercher encore un peu. Non, pas cette fois, d'accord. Eh bien, coucou Manon. Eh bien, j'espère que tu vas très bien. Ça fait plaisir de te voir parmi nous ce soir. Je te fais de gros bisous. Et bonne continuation à toi dans ce que tu fais actuellement. Mais gros gros bisous à toi et je pense à toi. Et Gréco nous dit que c'est la Hongrie. Mais lui, là, Gréco, il a dit qu'il y croyait dur comme fer. Hein. Il a dit, ouais, je suis sûr de moi. Et je l'ai peut-être mal écrit. Non, non, je l'ai bien écrit. Je suis désolé, Gréco. Tu as tort. Tu as tort. La Serbie, le Cameroun. Non, mais balancez pas des noms de pays comme ça, random. La solution est que, quand tu sélectionnes la page, tu vois le drapeau correspondant. Attends. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, afficher l'image. Y a-t-il quelque chose qui apparaît ici? Non, c'est pas ça que je veux faire. Non. Quand tu sélectionnes, t'as dit? La solution est que quand tu sélectionnes la page, quand tu fais comme ça, tu veux dire? Tu vois le drapeau correspondant. Je comprends pas ce que tu veux dire. Enregistrer l'image sous. L'image s'appelle. Elle a pas de nom, l'image. Ah, elle a que des chiffres. Tout ceci est bien étrange. C'est bien Daguestan. Bah écoute, moi je veux bien essayer pour te faire plaisir. Mais je crois que je l'avais déjà testé. Quoi? Quoi? Mais Daguestan, on l'avait pas testé? C'est quoi cette histoire encore? Après, tu me diras, les pays de ce genre, ils se ressemblent tous, ils ont tous la même écriture. Mais du coup, eh bien, bravo et merci à la personne qui me l'a proposé. C'était Daguestan avec un H. C'est bizarre, j'étais persuadé de l'avoir essayé, même par moi-même. Je crois que je l'avais vu passer. J'ai dû faire une erreur. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Putain, on est à peine à la 42e énigme. La 42, la réponse à la vie. Ok, alors D égale 1, A égale 12, G égale 19. Eh bien, c'est bien bordélique tout ça. Je vais me l'écrire sur un papier, mais dans l'ordre cette fois-ci. Mon papier est trop petit. Reprenons notre facture orange sur laquelle j'avais fait un magnifique quadrillage. Non, non, mais arrêtez de dire c'est la France, les Pays-Bas. On a trouvé. Alors, A égale 12. Est-ce qu'on a un B, C, D, E, F, D? D. Alors, B égale on sait pas. C égale on sait pas. D égale 1. E égale 11. Salut Farod, est-ce que ça va bien? Message de Shadows X qui était là du coup précédent live, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, merci à toi de me demander si ça va bien. Et bien, regarde mon œil, il n'est pas malade, il va très bien. Donc tout va bien pour moi, et du coup, merci à toi d'être là ce soir. Et évidemment, merci à toutes les personnes présentes et présentes ce soir. J'espère que vous vous amusez. C'est pas le live le plus fou de la vie, hein. On est là en mode on réfléchit alors que c'est les vacances d'été, je suis d'accord. Mais j'avais très envie de faire ça en live et pas en vidéo. Alors EFG, G égale 19, H égale 15, H, I, J, il n'y a pas de J, K, L, M, N. Alors H, I,
J-K-L-M, c'est la moitié de l'alphabet. N-9, M-N-O, P, il n'y a pas de P, pas de Q. P-Q-R, S-T-U-V, W, X, Y, Z, ça sera plus simple. Donc O, il n'y a pas. P, il n'y a pas. O-P-Q-R-S. 18, T, 6, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai réussi à en louper un, mais sérieusement, comment j'ai fait? Le D, je l'ai. Le A, je l'ai. Le G, je l'ai. Le H, je l'ai. Le E, je l'ai. Le S, je l'ai. Le T, je l'ai. Quoi? Il y a deux fois le A? Mais comment cela se fait? Comment cela est-ce possible? Il y a un A12 et un A7. Et la légende de l'onglet me dit qu'ils sont fous ces Romains. Qu'ils sont fous ces Romains. Qu'ils sont fous ces Romains. Ah, ça me plaît pas là, il y a un A et un 7 pour la même lettre, ça ne colle pas. Tu vas pas y arriver avant minuit à cette vitesse-là. Mais ça va, oui, oh, je ne te permets pas tout de même. Le mec, il attaque et tout. Moi, je n'avais rien demandé à la base. Oui, ça s'écrit Daghestan si tu lis du haut vers le bas. Et du coup, on me dit, ils sont fous, c'est romain. Mais le truc, c'est que romain. Il faut que je trouve un mot en rapport avec les Romains qui soit compris. Ils sont fous ces Romains? C'est pas une phrase dans Astérix, c'est ça? C'est pas Astérix? Qui c'est qui dit ils sont fous? Non, c'est Obélix. Ils sont fous ces Romains. Il doit y avoir un lien quelque part. Et alors, ils sont fous. Je vous lis. Hein. Ils sont fous ces Romains est une phrase récurrente de la série de bande dessinée Astérix. Elle est souvent prononcée par Obélix. Personnage qui incarne le bon sens naïf. Ok, alors moi je pense qu'il faut écrire Obélix, mais écrire Obélix ici ça n'aurait aucun intérêt parce que du coup ce qui est écrit en bas ne représente plus rien en fait. Je peux quand même essayer, mais moi j'y crois. Oula, qu'est-ce que tu me fais la page? Elle s'est rechargée toute seule, très bien. Obélix, non, ça ne marche pas bien évidemment. Écris-les en chiffres romains. Écris-les en chiffres romains, Calmianji. Écris-les en chiffres romains, tu veux dire. Alors, je vais dire bar, XX barbare, barbare, ah, excellent. Ça va faire un truc énorme, j'y crois pas, non. Je crois pas que ce soit l'écrire en chiffres romains, ça va te faire un truc à rallonge. Surtout que les X, je sais comment les faire, mais les barres, tu les fais comment? Des L minuscules? Des I majuscules? Le code de César. Existe-t-il un code de César? Ça, c'est très intéressant ce que tu me dis là. Code de César. Hé hé! Hé hé! Mais c'est qu'on avance, attention! En chiffres romains aussi, message de Lanfei. 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 Non, non, moi je pense plutôt à un. Le chiffre de César consiste simplement, j'aime bien quand ils disent simplement, tu vois, à décaler les lettres de l'alphabet de quelques crans vers la droite ou la gauche, par exemple, décalant les lettres de trois rangs vers. Oh oui, d'accord, c'est un truc tout simple. Ainsi, le message Ave César, d'accord, mais alors du coup, pourquoi le A est à la fois un 12 et un 7? Y a-t-il une logique quelque part? Oula, 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 on me dit un truc intéressant là, je sens. T'as passé du sous-sol 48 à 42? Non, 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 non. T'inquiète pas là-dessus, on n'a pas triché pour ça. Additionne tout. Non, je n'y crois pas. Non, non, moi je pense qu'il faut écrire Obélix en chiffres romains. Ça me semble logique, non? Parce que la phrase qu'il y a dans l'anglais, c'est Ils sont fous, ces Romains. Phrase prononcée toujours par Obélix. Oula, vous êtes sérieux là? Vous croyez que c'est ça? Vous avez peut-être raison. Dans le chat, il y a une personne qui me dit, tu fais D moins 1. C'est la première ligne qui est écrite. Du coup, ça te donne C. Donc, je le fais. Et ensuite, tu fais A moins 12. Apparemment, ça donne O. Je vais vérifier. Et peut-être que ça va nous donner un mot. Alors, du coup, A moins 12. Mais, please, il me faudrait un alphabet juste devant moi. Ça serait plus simple. Mais je possède un alphabet parfait.
Alors, A, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Effectivement, ça fait O. Donc le D, 1, ça fait C. Le G, on le recule de 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait un N. Pour l'instant, il y a écrit le mot con, C-O-N. Excellent. Le H de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un S, cons. Le E de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est un T. Const. Oh putain, s'il me sort le mot constipé, je pète un câble. Alors après, on avait dit, là on en est au, la cinquième lettre. Donc après, c'est le S de 18. 1, attention, ne te ferme pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est un A, constat, constance peut-être, on va devoir écrire le T. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On part sur un N, je pense que c'est constance. Ou pas, le A. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est un T constante. Constante peut-être. Et le 9, non, le N qui sera un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un E. Constante. Nous avons le mot constante. Écoutez. On va voir si c'est ça. Et je pense que c'est ça, parce que ça serait vraiment un gros hasard de tomber sur un mot comme ça. Je suis déçu. Moi, je pensais que ça allait être Obélix. Et c'est ça. C'était ça. Bravo. Heureusement que vous êtes là, parce que du coup, j'aurais jamais réussi. Tu progresses de façon exponentielle. Pourtant, le nom de l'onglet s'appelle le nom en français. Le nom en français de quoi? Le nom en français. Avant, on avait les Romains. Constante. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Je te fais de gros bisous aussi. Manon, 50 euros. Mais tu es folle. Mais c'est beaucoup. Mais merci beaucoup. Mais beaucoup trop du coup, maintenant on va se calmer un peu. Sinon je vais devoir revenir faire coucou la nuit et tout ça. Tu progresses de façon exponentielle. Mais merci beaucoup, hein, Manon, c'est très très gentil. T'hésites pas à l'annuler ton don si jamais c'est trop pour toi. Tu progresses de façon exponentielle pourtant. En plus, exponentielle, il est écrit en. Exponentielle est écrit en gras, mais quand tu utilises les maths exponentielles, tu. Ah, la notation, tu veux dire mathématique? Non, ça rentrerait pas dans un URL. Le nom en français. Exponentielle. Je crois pas qu'il fasse allusion aux mathématiques. Il doit y avoir un mot. Oui, j'avais pensé à Constantinople aussi, mais je me suis dit que c'était peut-être vraiment trop simple. Mais on va essayer si vous voulez, mais j'y crois pas. Hein. Si c'est ça, par contre, je suis un peu déçu du mec. Hein. Attendez, ouais, là il a bugué, c'est pas grave. Non, ce n'est pas Constantinople. Non, voilà. Ça me rassura. Une constante. Ah, une constante exponentielle. Est-ce que ça porte un nom? Constante exponentielle. Putain, ça je l'avais appris en terminale, je crois. Valeur de E, nombre de nez pairs, oh les trucs, logarithme nez pairien, tout ça. Oh putain, non, non, mais non, ça ira. Expandable. Expandable, pourquoi? Si c'est ça, je veux savoir pourquoi. Expandable. Non, c'est pas ça. Fonction exponentielle et constante. Le nombre E est une constante mathématique. Ah oui, ça je l'avais appris, ouais. Trop chiant. Trop, trop chiant. Constante de nez pairs, en référence aux mathématiciens Léonard Euler et John Napier. Mais alors pourquoi il me demande le nom en français? Ouais, là il y a des gens qui me disent dans le chat c'est nez pairs, c'est Euler, tout ça. Mais écoutez, on peut les tester si vous voulez. Oh merde, c'est nez pairs? Pourquoi c'est nez pairs? Parce que c'est la constante de nez pairs. Mais alors, quel était le rapport avec le français? C'est ça que je me demande en fait. Il y a quelqu'un, il écrit Obélix. Il est encore resté dans le délire de tout à l'heure. C'est en anglais, mais en français, exponentiel. Non, mais je sais pas. Le mot est nez pairs. Oui, ben oui, mais on l'a trouvé, mais du coup, pourquoi?
C'était tout con? C'était aussi simple? Tu vois, je suis parti trop loin en fait. Bon, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Attendez. 2 secondes. Il y a la PlayStation qui est allumée derrière, j'avais oublié d'éteindre. Et du coup, ça fait de l'électricité en moins. Et surtout de la chaleur en plus. Ça existe une constante exponentielle? Non, en plus je crois pas, parce que du coup ça se contredit, non? J'en sais rien. J'ai eu 1 sur 20 à mon dernier partiel de maths, donc j'ai pas envie de savoir, je sais pas. Je ne comprends rien, je viens juste d'arriver, aidez-moi à l'aide. Nous sommes en train de résoudre une énigme. Un abonné nous a créé un site internet, attention. Voilà, j'avais un petit rototo, ce sont des choses qui arrivent. Logarithme n'est pairien, donc n'est pair pour exponentielle. Bon, eh bien très bien, merci. Donc, du coup, nous sommes en train de faire des énigmes, et là, apparemment, nous avons une énigme extrêmement chiante. J'aime pas quand il y a une image et du texte. John Napier, qui a toujours un rapport avec les exponentielles, tout ça. En France. Ah! N'est peur, mais il est français? J'en apprends des choses, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ben alors, du coup, ça, voilà, ça se tient. Donc du coup c'est allez petite culture générale soyez prêts. Il est né à Édimbourg en 1550. Il est mort le 4 avril 1617. Mais il a vécu 50, 60, 67 ans. Putain pour l'époque c'est plutôt badass. Bravo. Au château de non 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 bouge pas la fenêtre. Au château non attends quoi? Au château de Mackensen. C'est un théologien, physicien, astronome et mathématicien écossais. Écosse. Sherlock, fils aîné d'Archibald Napier et de Janet Boutwell, il est issu d'une riche famille, lui-même baron du château donc. Il se fait connaître par sa défense du protestantisme. Il met notamment en garde le roi VI d'Écosse contre les visées du roi catholique. Mais on s'en bat les couilles. Wikipédia, France 3, juillet 2017. Juillet 2017? Juillet 2017? Cet article est beaucoup trop récent. Ça cache quelque chose. Moi, je dis qu'on va aller sur le Wikipédia de Nepper. Et je pense que l'auteur a modifié quelque chose et qu'il y a une erreur. Et la chose qu'il a mal écrite, et eh bien du coup. Attends, qu'est-ce qui se passe dans le chat là? Il y a tout le monde qui s'agite. Que se passe-t-il? Non? Tout va bien? On est bon? Loop? Superflame, loop? Coucou? C'est ma loupe, elle est là. Pourquoi? Tu penses que le mot à mettre ici c'est loupe? Je ne vois pas le rapport. J'ai même pas eu le temps de réfléchir en fait. Non, ce n'est pas loupe. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais tu as peut-être une raison. Donc, n'aie peur. Alors, je suis sur le Wikipédia de John, ce bon vieux John. En France, n'aie peur, né à Mackensen, près d'Édimbourg, tatata. Pour l'instant, c'est du copier-coller, rien n'a changé au château de machin. Théologien, physicien, astronome, mathématicien écossais, fils aîné de Truc, de Janet. Il est issu d'une famille riche, lui-même baron de dadada. Il se fait connaître par sa défense du protestantisme, ça je l'ai lu. Il met notamment en garde le roi Jacques VI Louis d'Écosse contre les visées du roi catholique Philippe II d'Espagne. Il n'y a aucune différence, ok, mais. Je ne comprends pas pourquoi il y a 3 juillet 2017. C'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans la photo? Affichez l'image. Ça, il n'y a rien de caché dans la photo, c'est bien dommage. Il y a encore des gens qui balancent des obélisques. Mais ça me fait trop rire. C'est trop bien. Sélectionne l'image. Non, il n'y a rien de caché dans l'image. Si je veux enregistrer l'image, il n'y a rien de caché dans le titre de l'image. Non, rien du tout. Il dit loupe car le nom de la page est anagramme de poule. What? Sérieux? Et loupe est un anagramme de poulet. Tu veux dire la page qu'il y avait avant? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, contrôle A. Merde, contrôle A, ça ne fait. Oh! 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 Est-ce que vous le voyez? Alors là, c'est tout petit. C'est tout petit. Je vous demande de regarder juste là. Juste là, il y a quelque chose d'affiché. Et putain, je ne vois rien. Merde. C'est quoi? Othuran? Je vais essayer de zoomer. Oh, je me sens tel un détective. Oh, mais non, attendez! Mais que suis-je bête? J'avais une loupe! Alors, du coup, il y a écrit. Oh, mais ça marche trop bien. Othuran. Non, ou alors Ofuran. C'est trop bien. Non, ce n'est pas le mot Durant, j'ai écrit au début. On va essayer de s'approcher un peu plus. On y est presque. Nye.
C'est bien le mot Othuran. Othuran. Pourquoi vous nous dites ça, Othuran? Quelle est cette chose, Othuran? Est-ce simplement le mot qu'il faut mettre là-haut? Je pense que c'est trop facile. Et même pas, c'était ça. Ok, donc ça, on s'en foutait complètement de la description. J'étais parti dans un délire, c'est pas grave. Mais ça me gratte le nez. Prends ta loupe. Mais oui, j'ai pris ma loupe, mais bien évidemment. Farod est aveugle. Non, désolé, c'est écrit noir sur noir, je ne l'avais pas vu. Bon, c'est la même technique que j'avais fait dans ma première énigme. C'est pas pour ça que j'étais censé m'en souvenir. Araga, Uf, Oroy. Alors, il y a écrit point commun. Alors, quel est le point commun entre Araga, Uf et Oroy? Les lettres. Araga, Uf, Oroy. Il n'y a pas de similitude dans les syllabes. C'est du latin, tu me dis? Ah, aube! Mais oui, c'était pas ça qu'on avait trouvé sans faire exprès tout à l'heure. Non, non, non! On a triché! Et si on passe au 38, c'est que c'était ça. Non, c'est pas ça! Vous dites des bêtises, arrêtez, allez vous coucher là! Prout! Ça n'a aucun rapport avec Ob là. Non, non, apparemment on me dit qu'il y a un point commun entre Araga, Uf et Oroy. Aragorn. C'est du latin. On me dit que c'est du latin. Eh bien écoutez, on va traduire ça en français et on va voir les similitudes qu'il y a entre chaque mot en français. Alors, Google Traduction. On va se mettre en latin. Le latin est juste ici. Et on va écrire Araga, qui me traduit pas du coup, il me dit que c'est du somalien. Ok, ça me dit le mot optique. D'accord. Ensuite, le mot uf, qui me dit. Ah, non, c'est du somalien apparemment. Alors, optique. Là, uf, ça veut. Uf. Les deux lettres uf signifient en espérant. Je sais pas pourquoi. Et Oroy. Qui signifie, eh bien, il me le détecte pas, donc du coup c'est pas ça. C'est du latin. Mais non, c'est pas du latin. Pourquoi il me dit que c'est du latin alors que Google il me dit non, TG, c'est pas du latin. C'est Google qui l'a dit, c'est pas moi. Non, non, en latin il me traduit pas au robe. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Attends, quoi? T'as dit quoi toi? Optique, en espérant. Vous dites. Vous dites, c'est ça le dernier mot. Le Y en latin, Y. Nul. Vous dites. Optique, en espérant, vous dites. Est-ce qu'il y a un point commun? Le P, peut-être? Mais pourquoi tout le monde me dit c'est Naruto? C'est quoi ce délire? Parce que c'est pas le premier que je vois me dire ça. Non, c'est du délire complet. D'accord, il y en a qui sont là juste pour troller. C'est Naruto. Les Jinchūkigarafu. Mais quoi? Mais les gens qui parlent de Naruto, vous êtes sérieux? Ah! Othuran en l'inverse, ça fait Naruto. Donc, oh là là, si tu les mets à l'envers, ça fait Agara, Uf, O, Yoro. Ça me dit rien ça, dans Agara dans Naruto. Non, le personnage s'appelle Gaara, il s'appelle pas Agara. Naruto Yoro. Oh non, me dites pas que c'est les personnages qu'il y a dans les animés secondaires et pas dans le manga. Agara. Oh, il y a vraiment des personnages dans Naruto, mais non. Mais non. Mais non. Ils ne font pas partie du manga, ce sont des OAV. Mais non! Ah non. Uf, je sais pas ce que ça vient. Mais apparemment, il y a un gros délire avec Naruto. Putain, vous avez peut-être raison, les gens. C'est quoi ce délire? Je pensais tellement pas y croire. J'essaie de. Obélix! Moi, je dis que c'est Obélix! Agara fou Oroy. Et si je tape ça dans Google, qu'est-ce que ça va faire? Agara Fou Oroy.
Chambre d'hôte? Non, ce n'est pas ça. Je pense que je suis parti pour une nuit blanche, effectivement. Agarafu Oroi. Mais vous me dites ça comme ça, mais ça ne veut rien dire. Et je ne peux pas l'écrire dans la barre, en fait, vu que on ne peut pas écrire des espaces. Mais du coup, on me dit le point commun. C'est des ninjas? Putain, si c'est le mot ninja, je pète un câble. Oh putain, j'étais pas bien là. J'étais pas bien. Oh là là. Vous me dites que c'est du japonais déjà. Le titre de la page, ça s'appelle Point commun. J'ai déjà tapé simplement Naruto, ça marche pas. Moi, je dirais que c'est Obélix. Agara, c'est Gaara, et Uf, c'est Fu. Ce sont des. Non. Pourquoi Agara, ça serait Gaara? Enfin, ça n'a aucune logique. Ça, c'est pas bien écrit, du coup. Non, c'est pas ça. Les deux points. En vrai, Constante était le plus simple. Shinshuriki? Mais non. Ah merde, il a mal écrit. Pourquoi tu me l'écris comme ça? T'es trop con. Non, ce n'est pas Shinshuriki. C'est le nom de perso à l'envers. Va sur Wiki. Je vais aller voir ça juste après. Non, ce n'est pas l'aube, arrêtez-vous. L'aube, c'est la réponse de la prochaine énigme et on ne va pas tricher. Ce sont des anagrammes. Oui, donc du coup, tu me dirais d'écrire le mot anagramme? Est-ce que ça s'écrit vraiment comme tu l'as écrit, anagramme? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il n'y a qu'un seul N. Anagramme. Oui, il n'y a qu'un seul N, désolé. Anagramme. Et ce n'est pas ça. Mais c'était une bonne idée. Bon, attends, parce que là, les gens qui me disent que c'est Hob, vous me saoulez un peu. Regardez, on est à l'énigme 39. Si je tape Hob, on passe à l'énigme. Attention, suspense. Ta-ta-ta, on passe à l'énigme 37. Donc, on a sauté une énigme et je ne veux pas tricher. Hob, ce sera. Alors, Apasora me dit Wikipédia et c'est pas la première à me dire ça. Donc, on va chercher Agara dans Wikipédia. Il ne trouve pas Agara dans Wikipédia. Il me trouve Agra. Et si je tape Araga dans Wikipédia? Oui, il me trouve un truc. Araga. Araga. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça, Araga? C'est trop chelou. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas essayé Shinobi. Putain, et c'était pas bête en plus. Ah oh, putain, là, ça aurait été bien que ce soit ça. Tu as loupé un message et rien à voir, mais je t'avais envoyé un message sur Snapchat pour te dire que. Snapchat, je regarde vraiment pas beaucoup les messages, je suis désolé. Takiga curé un message de Shadowx. Pourquoi tu me dis d'essayer ça? Ah, mais là-dedans peut-être. Comment tu l'écris? Takishakure. Gakure. Takigakure. C'est pas ça. Alors, mon cher Kevin Gauthier, qui nous dit que. C'est un miroir, vu que ce sont des personnages de Naruto écrits à l'envers. Moi, je suis d'accord. Sauf que non. Araga, tu le mets à l'envers, ça fait Agara. Agara. Il n'y a pas de personnage de Naruto qui s'appelle Agara. Il y en a un qui s'appelle Gaara. Ah, et peut-être qu'il faudrait juste remettre les lettres dans le bon ordre. Et c'est peut-être ça, en fait. Mais alors, du coup, Gaara,
Gaara, je suis d'accord. Fu, je suis d'accord. Par contre, un personnage Naruto qui s'appelle. Fu, c'est pas un mec du Raikage? Non? Je sais plus, c'est qui Fu? Ouais, c'est le mec de l'OAV. Par contre, Oroi. Rio, peut-être? Non? C'est quoi le dernier d'après vous, le dernier personnage? Vous avez été 1 milliard à le dire et j'en suis désolé. Ah, des Kage peut-être? Non, j'ai aucun souvenir d'un Kage qui s'appelle comme ça. Et c'est pas ça. Et c'est avec un miroir. Non, mais c'est. Please, j'ai pas besoin d'un miroir pour lire à l'envers tout de même. Peut-être Rio, mais nous on l'écrit avec deux O et E avec un accent. Mais j'en sais rien, ça ne mène à rien. Yoro. Mais ça ne mène à rien de toute façon. Yoro. Mais au moins ça nous confirmerait la piste de Naruto. Effectivement, il y a un personnage qui s'appelle Yoro dans Naruto, il y a un personnage qui s'appelle Fu, il y a un personnage qui s'appelle Gaara. Ok, très bien. Maintenant, on nous demande le point commun entre ces trois personnes. Eh bien, on a déjà mis Ninja, ça ne marche pas. Shinobi, ça ne marche pas. Peut-être avec un S à la fin, ça ne marche pas. Ninja avec un S à la fin, ça n'est pas bon. Alors là, il y a quelqu'un qui me dit Taki. Pourquoi Taki? Oh merde. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Taki? Ok, très bien, bravo. Quelqu'un a trouvé, mais Taki, I4, à la fin, ça fait I4. Mais pourquoi Taki? Alors là, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Taki, je suis preneur. Hein. Oui, on a trouvé Taki, mais c'est quoi la signification? Taki. Est-ce qu'au moins ça avait un rapport avec Naruto, tout ce qu'on cherchait depuis tout à l'heure? Il y avait une logique ou pas? Taki. Dans Naruto, c'est qui Taki? Peut-être le nom du village? Non. Ben non, le village de Gaara, c'est le village du sable, il s'appelle pas Taki, je crois. Ah, je suis comme un con là, par contre. Hein. Alors, car c'est le nom du clan auquel appartiennent chaque personne. Le clan Taki, c'est vrai? Putain, c'est vrai ça? Clan Taki. Mais alors, si c'est vraiment ça. Wikipédia Naruto, Taki, village caché de la cascade, se trouve dans le pays de la cascade. Son leader actuel Shibuki, les ninjas de ce village semblent se spécialiser dans les jutsu d'eau Suiton. D'accord, mais je suis sur le cul parce que dans le manga officiel, parce que moi je n'ai lu que le manga officiel, bien évidemment j'ai pas regardé l'animé parce qu'il existe 1 milliard d'épisodes de l'animé qui ne servent à rien. Bon, ben je suis un peu déçu qu'il ait utilisé ça du coup, que le créateur de l'énigme se soit inspiré des OAV de Naruto. Mais c'est pas grave, écoutez, bravo à ceux qui l'ont trouvé, c'était très perché pour le coup, mais bravo. Au fait, retire cet accent sérieusement. Alors, affiner jusqu'au bout. Mais alors là, du coup, je suis spoilé parce que je sais que le mot c'est ob. Retire cet accent, sérieusement. Tu le vois où ton accent là? 38e peut-être? M? Bon, là du coup, j'ai un peu la flemme de réfléchir, donc on va faire Ob. Si quelqu'un a envie de m'expliquer l'énigme, eh bien qu'il se fasse plaisir. Ouais, je sais, j'étais au courant que c'était Ob. Diaklans, merci Diaklans. Et effectivement, ouais, c'était bien Taki. Bon, du coup, il y a un méga décalage, donc je l'ai vu qu'après, mais ouais, c'était ça. Alors, 38 plus 39. Attention, hein, ma calculatrice. Je vais aller voir ça tout de suite. Oui, parce que j'ai la flemme de réfléchir. 38 plus 39, ça fait 77, sérieux? D'accord. 77. Alors, comment dire, pardon. Le titre de l'onglet s'appelle Changement de règles. Là, on nous dit 77. Je serais tenté d'écrire dans l'URL ce qu'il y avait écrit au tout début. C'est-à-dire sous-sol 77. Mais du coup, je ne me souviens plus exactement comment c'était écrit. On va aller voir ça comme ça. Si je fais ça comme ça. Eh non, ça ne va pas marcher. Il faut que je. Laisse-moi 2 secondes. Je vais retrouver vite fait le nom de la première URL. Je l'ai enregistré de toute façon. Si Google veut bien se lancer. Bonjour Google, comment ça va? Tu es quelque part Google? Je ne te vois pas. Google. Ok, Google pète un câble. Ah, c'est bon. Ah, il était en bas à droite, je l'avais pas vu. Alors, l'énigme,
C'est quoi? C'est le souterrain, notre énigme? C'est celle-là qu'on est en train de faire? Effectivement. Donc, le souterrain, voilà, ça s'écrit comme ça. Je reviens tout de suite. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait écrire, au lieu de 50e sous-sol, j'écrirais 77e sous-sol. Et je suis extrêmement déçu parce que je pensais que c'était ça. Je pensais clairement que c'était ça. Changement de règle. Changement de règle. Depuis tout à l'heure, ce qu'on fait. Alors là, il y a des gens qui me balancent des numéros. Ils voudraient qu'on fasse 38, 39. Vraiment? Non, je n'y crois pas. J'ai pas essayé 77, tout simplement. Non, peut-être qu'il faudra l'écrire en lettres. Peut-être 40, puisqu'il y a 37 sous-sol. Ah! Oh, pas bête du tout. On est au 37e sous-sol, on parle de 38, 39, donc maintenant on passe à 40. Et ce n'est pas ça. Ah, on me dit, retourne-les et fais du... c'est quoi? 63... Non. Nya. 63 plus 83? Ouh, je suis donné mal à la tête. Pourquoi chez vous ça fait 62 plus 83? Moi je vois 63. Attendez, je vais voir ce que ça fait. 63 plus 83, 146. 146, et c'est pas ça. Et du coup, il y en a qui me disent avec un numéro en moins, 145, c'est pas ça non plus. Inverse les chiffres, comme il y a 3 points d'intérêt. Ouh, je vais m'asseoir, attendez. Je vais m'asseoir 2 secondes. Oh, mais on est tellement mieux maintenant que je suis assis. Pourquoi je suis... Depuis tout à l'heure, je suis debout. Hein, voilà, je tenais à vous le dire. J'étais debout depuis tout à l'heure. Alors, j'essaie de voir s'il n'y a pas un indice quelque part. 38 plus 39. On change de règle. Peut-être 37 plus 38 plus 39, comme tu dis. 104. Je pense pas à mettre un numéro. Ça me semble bizarre, en fait. 38,39. Non. 0,77, car il y a 3 points d'interrogation. Ça, c'est pas bête. Je me suis fait la réflexion. Il fallait un truc à 3 points et c'est pas ça. Essaye de mettre les 3 points d'interrogation. Non, dans une adresse URL, je ne pense pas que ce soit possible. Non, le site, la création de site internet ne te propose pas de mettre des points d'interrogation dans une adresse URL. Alors, laissez-moi juste. Le coup de à l'envers, c'était pas con, hein. Et si je nique le jeu et je dis 36e sous-sol? Non, c'est pas ça. Comment ça se présentait déjà? Là, on était là. Je reviens juste vite fait au début pour voir ce qui se passe. 2 secondes pour voir. Voilà, j'avais cliqué ici. Voilà, sous-sol 49. C'est plutôt ça en fait, la façon d'écrire. Donc, je dirais sous-sol 77. Et sous-sol 77, c'est pas ça, il me faut un petit coup de pipe. Petit coup de pipe pour réfléchir, effectivement, parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis bloqué. Attends, addition peut-être. Je me prends pour un con. C'est pas peut-être le truc que j'ai fait dès le début. Peut-être juste 77e. Ah, tu veux dire 77 EME? Je n'y crois point, je n'y crois guère même. Merci à Raven qui dit coucou Farod, juste un petit bonjour, bisous bisous avec un cœur et point de plein de points d'exclamation. Donc merci à toi et un petit coup de loupe, regarde juste jusqu'à mon œil et tout. Et ensuite, un petit don avec un joli petit cœur de la part de Sir Gibzy. Alors j'imagine que c'est le vrai, ça m'étonnerait que ce soit le faux, mais du coup si c'est le vrai, ben, gros bisous à toi Sir Gibzy et merci d'être passé faire coucou et merci pour ton don, c'est très gentil de ta part. Et je ne vous ai pas lu. 38 moins 39. Oh mon Dieu, nous avons un génie. Vu qu'on nous dit changement de règle. On passe de 38 à 38 moins 39, ça fait du moins 1. Et je ne crois pas que dans une adresse URL, tu aies le droit d'écrire le mot moins. Donc je suis désolé, ce n'est pas chat. La réponse est Obélix. Oh mon Dieu. On ne s'arrêtera donc jamais avec Obélix. Ce n'est pas possible. 38,49. Pourquoi dis-tu ça? Non, ça n'a pas de logique. Chiffres romains. Non, ça serait vraiment trop perché, je pense, les chiffres romains. 1 plus 1, ça fait 11.
Ouais. Donc du coup, 38-39, ça ferait 3839, mais on l'a déjà essayé ça. Pourquoi toi, tu me proposes 37-38? Je ne vois pas la logique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Désolé. Yo, Farod, essaye 40. Mais, je l'ai déjà essayé. Et on a tous vu que ça ne marchait pas. Non, mais oui, t'as essayé 5, t'as essayé 52. Écoutez, on peut aussi faire tous les nombres de l'alphabet, même ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je pense pas que ça ne marchera. Il faut faire quelque chose d'un peu plus perché. Fais une soustraction de l'addition. Ça, je suis d'accord. Hein. C'est pas con. Mais ça fait moins 1. Moins 1, ça passe pas. Juste 1, ça passe pas non plus. Et des chiffres aussi normaux, entre guillemets, c'est pas possible. Parce qu'on pourrait tomber dessus par hasard. Et je pense que si le développeur a bien fait son truc, mais ça ne passe pas. Prends en compte le 37 et écris le résultat en français. Oui, mais alors, c'est quoi l'opération entre 37 et 38? Parce qu'il m'a pas dit s'il faut mettre un plus ou un moins. 3 plus 7 plus 3 plus 9, ça c'est... Mais pourquoi vous partez dans du 7? Arrêtez, il écrit 38 et 39, on n'a pas la même page, vous ne voyez pas ce que je diffuse? Mais si, vous avez la même page que moi. Par contre, c'est une bonne idée. 8 plus 3, 11, plus 3, 14, plus 9... 14 plus 9, ça fait quoi? 23, j'en sais rien. Et c'est pas ça. Ta 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 ta. On est dans la merde. Le 114, je l'avais déjà testé aussi. 377. Pourquoi? Ah là, mais on est parti pour faire tous les. Écris-le en lettres. Écoute, c'est possible. 77. Ouais, 60. Oula, je me suis gouré. C'est possible. 60. Avec un tiret. Oh non, c'est le moment le plus gênant de ma vie. 17. 17. Attends, comment t'écris 17? Il y a un tiret aussi, non? C'est pas comme ça, 17? Si j'ai fait une erreur dans l'écriture, là, il faut me le dire. Le mot, c'est consécutif. Parce qu'on passe de 37 à 38 en 39? Non, mais bien tenté. On me propose de dire. Nombre. Non, ça ne marche pas. Numéro. Numéro. Ça ne marche pas non plus. Nous sommes bloqués. Bonjour, bonjour, on est bloqués. Et si c'était 37 moins 38 moins 39? Eh bien écoute, ça ferait du moins 1. Moins 1, moins moins 1, ça fait moins 1 plus 1. Et de moins 1 à plus 1, tu fais du 0 en fait. Et j'y crois moyen bon, aussi. 0, ça passe pas. 0 écrit comme ça, sans accent. Ça passe pas. C'est pas ça. Mais c'était pas bête. Au moins tu tentes. C'est bien, t'essaies. Non, par contre, le délire de à l'envers, ça me semblait vraiment sympa. Alors, je veux juste revérifier combien ça fait 63. Voilà, si on met la tête à l'envers, ça fait 63 plus 83. Ça fait du 146. Mais. Il faut écrire 146. 146. J'ai très mal écrit 40, excusez-moi. Ah putain, je suis déçu parce que ça aurait pu être ça du coup. Et c'est pas ça. Regarde le titre de la page. Le titre de la page, c'est, attention, changement de règle. Changement de règle. De règle. Alors, regardez, 37e sous-sol. Dans le mot sous-sol, ici, il y a un tiret. Le tiret pourrait être comptabilisé comme étant un moins. Donc, du coup, si je fais 37 moins 38 plus 39, ça nous donne un résultat de 38. On va l'écrire en numéro d'abord. Ce n'est pas ça. On va l'écrire en chiffres. 38. Oh putain, mais j'oublie des lettres, c'est incroyable. 38. Et ce n'est pas ça. Putain, j'étais sûr que c'était ça pourtant. Par contre, le 37, on peut pas le mettre à l'envers. Hein, donc on peut pas faire la théorie de faut pencher la tête. Là, du coup, ça marcherait pas, je pense. C'est peut-être 3,8, 3,9. Ah, c'est pas con ce que je viens de dire. C'est comme quand on calcule avec les x et les y. Donc du coup, ouais, on va faire du 3 fois.
8 qui est 24, puis 3 fois 9, non, 3 fois 9 qui est du 27. Voilà, donc 27 plus 24, ça fait du 51, comme... non. 51, ça passe pas comme ça. Et l'écriture, 50... 51. 51. Ça passe pas, les gens. On est bloqués comme des cons. Alors, sachant que le résultat de 38 plus 39, c'est 77. Il faut chercher quelque chose en rapport avec 77. Changement de règle. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir une bonne idée dans le chat. Règle. Si je tape dans Google règle 77, est-ce que je peux tomber sur les règles de l'Internet? Je crois pas que les règles d'Internet vont aussi loin. Attends, règles d'Internet. Je crois qu'elle s'arrête avant. Je vais chercher. On va chercher la règle 77 d'Internet. Putain, si c'est ça, c'est génial. je sais qu'il y a des extensions. Celle-là, elle s'arrête à 49. Ah. Mais je sais qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin. Laissez-moi les trouver. Et c'est peut-être pas ça. Peut-être que je suis perché. Hein. Après, on me dit 77 moins 37. J'essaierai ça juste après, ouais. Enfin, c'est plutôt 37 moins 77 du coup. Mais là, d'abord, je reste un peu sur mon délire des règles de l'Internet. Règle 77. Internet te rend stupide. Est-ce que le mot c'est stupide? Putain, si ça avait été ça, ça aurait été tellement bien. Ça aurait été trop perché, mais ça aurait été trop bien. Donc du coup, on va plutôt faire calculatrice 37 moins 77, ça fait du moins 40. Les chiffres négatifs, on peut pas les écrire en fait dans un URL, c'est con ça. S'il faut la réponse, c'est pas un chiffre. Ben, tu me dis que c'est 1, mais 1 non plus c'est un chiffre et ça peut pas passer même si je l'écris en lettres 1. Ça ne marche pas. Bien tenté. Tu devras te contenter de l'image d'un chat. Essaye les trois dernières solutions à la suite car 37, 38, 39 s'enchaînent. Ah. Pas con ça. 37, 38, 39 déjà, ça marche pas. Par contre, les solutions des énigmes précédentes, sérieusement, Taki. On avait Taki, on avait Othuran et on avait Nepper. Nepper, Othuran, Taki. Nepper, Othuran, Taki. Nepper, Othuran, Taki. C'était vraiment perché pour le coup. Essaye 146 moins 77. Pourquoi? 146 moins 77, ça fait 69. Lol, changement de règle. 69, ça passe pas à l'écriture. 69, non plus. S'il voulait me faire deviner le chiffre 69, je pense qu'il aurait fait quelque chose de plus intéressant, je pense. Tu penses qu'il faut utiliser le mot calculatrice? Calculatrice. Les points d'interrogation, bordel. Oui, et bien quoi? Je ne peux pas écrire trois points d'interrogation dans la barre URL, ça ne marche pas. Par contre, 7, 8, 9, c'est pas con. Mais c'est pas ça. 700, 700. Non, ça doit pas être ça, c'est trop bordel. Seine-et-Marne? Mais non. Tu veux dire qu'il fallait chercher le département 77? Oh putain, attends, non, je l'ai même pas bien écrit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est pas con du tout parce que depuis le début, le mec il nous fait jouer avec les départements. Donc du coup, département 77. C'est le Seine-et-Marne, effectivement. Et alors, il me l'accepte pas. Mais pourquoi il me l'écrit mal ce con? Mais c'est stupide. Tu me l'écris comme ça. Tu ne bouges plus.
Seine et Marne. Seine et Marne. Et ça marche pas. Et ça marche pas du tout. Il dit pas ça. Il dit pas ça. Mais c'était pas con, c'était vraiment pas con. Cherchez quelque chose en rapport avec 77. Les lettres, GG, parce que dans l'alphabet, 77, c'est GG. Et ce n'est pas ça. Mais bonne idée aussi, hein. Bon, écoutez, moi, je voilà, je pète un câble, j'ai envie de... Non, mais non, mais là, non, je suis pas d'accord. Attends, le mec qui me l'a sorti d'où, ça, le mec? Attendez, que je... Putain, non, j'ai perdu le message du gars. Non, il est perdu dans l'espace et le temps. Attendez, que je... Oh, merde. Attendez. Non, je peux pas vous le retrouver. Voilà, il me dit OMG. Alors, la réponse c'est Kakuzu. La solution n'est pas de moi, mais d'un autre mec plus haut. Il fait partie de l'Akatsuki, qui veut dire aube. Et il vient de Taki. Mais alors, les gens, quel était le rapport avec les chiffres? Ah, parce que c'est les réponses des sous-sols 38 plus 39. Quand tu fais 38 plus 39, tu as aube, tu as Taki. Mais va penser qu'il faut trouver le nom d'un personnage qui signifie aube en je sais pas quelle langue et qui vient du village de Taki. Non mais please, là, please, c'est perché de ouf là ce que vous me... Non! Mais non! Mais non! C'est trop compliqué, moi j'arrête là! C'est beaucoup trop compliqué. Tac, d'accord, ok. Merci beaucoup Anthony Perrin, c'est très très gentil de ta part et ne dis pas que c'est pas grand-chose, c'est déjà beaucoup. Non, non, mais je suis surchoqué de ce qui vient de se passer. La réponse était Kakuzu. Je n'étais pas prêt à ça. Bon, alors, on me demande. Chicotement. Alors, tu as d'abord des chicotements, ensuite ça te mène à des aboiements qui ensuite te mènent à des feulements. Sachant que je ne sais pas ce qu'est un feulement. Et. L'indice dans l'anglais me dit deuxième mot. Le deuxième mot, c'est aboiement. Et ça m'étonnerait beaucoup que simplement recopier aboiement me servirait de... Et bien sûr que non. Putain, mais le mec, il était déterminé quand il a fait ses énigmes. Il m'a défoncé. En termes d'énigmes, là, il m'a tué. Bref. C'est une chaîne. Et le message... Mais maintenant, j'ai même plus confiance en tout ce qu'il me dit, parce que là, le truc de Kakuzu et tout, vas-y, là, c'était perché. Laissez-moi 2 secondes chercher ce qu'est un feulement, parce que je... Feulement. Feulement, si feulement je savais. C'est le bruit de gorge du chat lorsqu'il veut intimider. D'accord, l'aboiement. Écoutez, on va regarder la définition de chacun, même si on sait ce que c'est. L'aboiement, il pousse, à l'époque du frais, il pousse spontanément un cri... Ah, mon Dieu, mais quoi? Voilà, une vocalisation émise par les chiens ou les loups. Et pour finir, le chicotement. Chicotement, c'est quel animal ça? Ça me gratte le nez. J'en profite. C'est pas toujours que je peux faire ça. Définition de chicotement. Qu'est-ce qu'un chicotement? Mais c'est un rapport avec les animaux, c'est clair. Ah, au lieu de mettre deuxième mot, je vais mettre chien, peut-être ça va passer, non? Ce serait trop simple. Beaucoup trop simple même. Un chicotement, c'est un couinement, mais peut-être d'un animal, genre un rongeur, une souris, un truc comme ça. Donc on passe de la souris au chien, puis ensuite au chat. Le live me donne mal à la tête. Alors, je suis désolé, sache que le live de demain soir sera beaucoup plus tranquille et beaucoup moins prise de tête. On fera un bon petit jeu vidéo, on fera du ProPump demain soir en live. Voilà, sachez-le, petit spoiler, demain soir en live, ProPump. Pourquoi tu m'as écrit toi, laisse? Laisse, Farod, laisse. Tu parles de la laisse pour les animaux? Non? Nope. Mais je ne sais pas. Miaulement. Ah, tu veux dire qu'on devrait continuer comme ça? Mais non.
Le lundi, c'est deuxième mot. Évolution. Putain, ça n'a aucune logique. Des cris. Écoutez, on va faire tout ce que vous proposez. Mais c'est trop vague. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Prédateur. Après, on peut aussi faire, je vais pas dire chaîne alimentaire, mais un délire comme ça. Prédateur. C'est pas ça. C'est le bordel. Akamaru. Non, 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 non. On n'est pas reparti dans des trucs genre Naruto là. Akamaru. Putain, t'imagines? Cuicuitement. Toujours plus. L'ordre des mots me fait penser à gradation. Non, c'est pas ça. Mais le truc, c'est que l'onglet me dit deuxième mot. Le deuxième mot, c'est aboiement. Tout ceci est bien bizarre. Gorge. Parce que tous les bruits viennent de la gorge. Et ce n'est pas ça. Animaux. Pas bête, on va le faire. Animaux. Mammifères aussi, on peut faire. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça, je crois pas. Obélix, ouais, ça aurait pu être ça, ouais. Animal de compagnie. Oui, mais non, parce que ça s'écrit pas. Chat, à chaque fois qu'on perd, on envoie un. Putain, c'est vrai ça en plus. Y a un chat juste là. Il faut trouver un animal qui fasse des chicotements, des aboiements et des frôlements. Essaye, waf. Parce que. Ah, le bruit de l'aboiement, tu veux dire? Eh, c'est pas con ce que tu viens de dire là. Le bruit de l'aboiement, c'est waf. Donc, nous, on l'a écrit avec un A, parce qu'il faut l'écrire waf comme ça. Non, aucun des deux ne passe. Laissez tomber. Je commence à être fatigué. Je commence à être fatigué. Je pense qu'on va pas, on va pas finir l'énigme ici. Moi, si vous voulez, vous pourrez la continuer de votre côté. Mais là, je commence à avoir vachement mal à la tête. Donc, je continue encore 10 minutes, mais je pense que je vais m'arrêter. J'ai trop trop chaud. Je suis pas en position adéquate pour faire ça. Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai trouvé. Mais il dit pas ce qu'il dit. Merci beaucoup, Aurore Tail Sense. Flèche, c'est le deuxième mot. Tu crois que le deuxième mot, c'est ça? Ce serait vraiment connard, je trouve. Flèche. Pas bête, mais c'est pas ça. Désolé. Ta ta ta. On continue à réfléchir petit à petit. C'est marrant comme on est bloqué. Allez, je vais lire le chat. Le mot c'est ment. Aboiement, chuchotement. Ouais, peut-être qu'il y a. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Perroquet. C'est vrai, le perroquet, il fait tous ces bruits-là? C'est vrai? Car il imite tous les cris. Ah, c'est vrai que le perroquet imite tous les cris. C'est pas faux. Perroquet. Je l'ai pas bien écrit. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça en fait, perroquet. Il n'y a pas de R? Moi je l'aurais mis avec deux R perso. Bah oui, il y a deux R. Pourquoi j'ai douté comme ça? Et ce n'est pas ça du tout. Je suis désolé pour vous. Un message de Shadows avec un X à la fin. X, trop de réflexion. Mon cerveau n'arrive plus à suivre. Et je suis vraiment désolé, Shadows. Promis, le live de demain sera beaucoup plus intéressant. Mais j'avais vraiment envie de faire un truc comme ça pour le fun. Moi, je trouve que c'est rigolo. On est tous en mode. Ah, regardez la grosse bouche que ça me fait. Il y a un passage dans Toy Story 1 comme ça où il y a le méchant garçon. Il regarde Woody comme ça avec une loupe. Et il fait ah, tu vas souffrir. Et ensuite, enfin, il dit pas ça comme ça. Et il met le soleil et il fait fondre Woody ici. Enfin, trop triste, trop horrible. Waf, OUAF. C'est vrai que je l'ai pas testé celui-là comme ça. Et ce n'est pas ça. L'homme. L'homme? Ce n'est pas ça. Je sais pas si j'ai vraiment essayé WAF. Non, c'est pas ça. Le mot, c'est bruit. Tu dis ça comme si tu étais sûr de toi. Pourtant, ce n'est pas ça. Change l'ordre des cris d'animaux par rapport à la supériorité entre ces animaux. Ok, bah ça fait follement dessus d'aboiement. Enfin, depuis quand une souris crie plus fort qu'un chien, qui aboie plus fort qu'un chat qui grogne? Il me semble encore oui, ok. Alors, rugissement.
On peut tester. Et ce n'est pas ça. Elle est vraiment, vraiment tordue cette énigme. Qu'est-ce que c'est dur? L'humain? Humain? Putain, si c'est humain, alors. Si c'est humain, on arrête. Parce que ça n'y aurait aucune logique. L'homme peut faire les trois. Oui, mais alors. Mais là, vous cherchez en fait quel personnage peut faire les trois, alors que vraiment, le seul indice qu'on a, c'est deuxième mot. Deuxième mot. Deuxième mot. Kakashi. Avant, car quand tu trompes, cela t'amène sur une page qui nous dit nous avons cherché partout et à droite nous avons un chat, donc sûrement. Ah. Tu veux dire qu'il y a un indice à trouver ici et tu penses que le deuxième mot à chercher serait le mot avant parce que ici il y a un chat, ça serait vraiment trop perché, franchement. Le mec serait allé utiliser la page 404 du site. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment pas bête ce que tu viens de dire. Tu viens de proposer un truc cool, mais désolé, c'était pas ça. Ce qui me gêne en fait, c'est le coup des flèches. Le deuxième mot, c'est mot. Ça semble logique, mais mot est un mot justement trop random. Non, trop facile à trouver. Le live de demain commencera à 21h pile. Voilà. Le loup. C'est pas ça. Pourquoi on me dit c'est mensonge le mot? Putain, si c'est mensonge. Si c'est mensonge, j'arrête. Hein. Putain, c'est mensonge. Oh putain, je suis désolé, on va arrêter. Parce que là, je commence à péter un câble. What the fuck? Où est la logique? Pourquoi mensonge? Chicotement, aboiement, feulement. Le deuxième mot. Mais pourquoi mensonge? Pourquoi mensonge? Je veux savoir où est la logique. La résolution, c'était le mot mensonge. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est mensonge, je veux bien savoir. Non, mais la réponse c'est mensonge. Mais du coup maintenant j'aimerais savoir pourquoi. Si si c'est mensonge, je vous le dis, regardez. Ah non! Oh là là, non, pas du tout, on passe du 36 au 25e. Ouh, c'est perché. Écoutez, on s'est trompé. Non, c'est pas mensonge. Il y a de la triche. Il y a la triche dans l'air. Et je ne l'avais pas remarqué en plus. Écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vais garder la page en sauvegarde. Terminé. Et je suis désolé, ces énigmes sont vraiment trop dures et j'avais vraiment envie de toutes les faire. Donc maintenant, on va en faire d'autres, du coup. Oui, je suis passé à la 25e. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ça va, je n'ai rien vu. Pas de panique. Voilà, nous n'avons rien vu. Et on se garde soit pour un prochain live, mais je ne crois pas parce que ça prend vraiment plus la tête que ce que j'imaginais. Ça fait vraiment mal au crâne. Donc du coup, on va s'en faire des plus simples, des beaucoup plus simples. Voilà, celle-là, on m'a dit qu'elle était facile. Kevin Gauthier, mensonge, je t'envoie au 25e, c'est pas ça. Oui, je sais, j'ai fait une erreur, pardon. Fudia Yagami, encore une fois Yagami, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, première énigme, une simple énigme. Et là, normalement, ça va être court. Je clique ici. Pense à lire les règles. Alors, les règles. Là, on est parti dans d'autres énigmes. On repart sur un autre truc. Alors, les règles. Il est interdit de faire du Thomas. Ah, du Thomas Sirix, c'est-à-dire regarder le code source. Promis, je ne tricherai pas. Il n'y a aucun bouton caché ou de texte à sélectionner. D'accord, donc il ne faut pas faire de contrôle A. C'est le premier que j'ai fait et que je n'avais pas trop d'idées. Blablabla. Ceci, t'es d'accord? Ah, la souris ne se transforme pas tout le temps en curseur sur les boutons. Ah, très bien, c'est intéressant. Normalement, la sélection ne fonctionne pas. Si tu as besoin d'aide, demande sur le live. Ah, intéressant, vous allez pouvoir m'aider. Ça va être normalement plus facile, hein. Il est précisé quand il faut changer le nom de la page. Bonne chance, il n'y a pas beaucoup de pages, mais certaines peuvent être difficiles. Ok, tu m'as dit, lis les règles. ICCL. Il doit y avoir un truc là. Énigme, rules. Première énigme, clique ici. Et là, il y a un indice. Regarde où mène le bouton. En bas à gauche. En bas à gauche. Il y a un bouton en bas à gauche? Non, il n'y a pas de bouton. Pense à lire les règles. Y a-t-il un bouton? Je ne sais pas. Ah, où mène le bouton? Si je laisse enfoncer. Si je... Ah, en bas à gauche.
Ah, d'accord. Alors ça, je ne crois pas que vous le voyez. Tu joues avec quelqu'un au proponent du live demain? Oui, demain je serai en compagnie de plusieurs autres personnes, mais je tairai les noms pour ne pas spoiler. Alors du coup, en bas à gauche, il y a le lien qui s'affiche et il est écrit énigme slash sombre. Donc du coup, j'imagine qu'il faut écrire dans la barre de recherche sombre. Oh mon Dieu, tu es perdu. Comment éclairer ton chemin? Eh bien du coup, je veux... Non, j'allais allumer. Ah, voilà. Clique ici pour la prochaine page. Bouh! Tu es toujours perdu, bonne chance! Oh! Oh, c'est génial ce que tu viens de faire là! T'as réussi à faire ça avec. Ah, mais ce n'est pas des sites en Wix. Tu n'as pas utilisé Wix.com. Ah, mais c'est génial! Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de... Enfin, le mec, il dit toujours rêvé. C'est quelque chose que j'avais vraiment eu envie de faire pour mon énigme, moi. Mais avec Wix, je crois que j'avais pas la possibilité. Donc, du coup, bravo! On continue. Félicitations, tu as terminé le jeu. C'est vrai? C'est déjà fini? C'est vraiment fini? C'était ultra rapide, non? Non, je ne te crois pas. Si, c'est vrai? Oh, j'ai bien fait d'attendre. Ou pas. Ou pas. Alors du coup, créateur du jeu, si tu es actuellement présent sur le chat, n'hésite pas à me dire si c'est terminé ou pas. Un message de secret Double Down. Salut Farod, si tu es à court d'énigmes, je suis là. Un live superbe, tu mérites ce tips. Tiens, je te fais un triangle. Waouh, Illuminati, tout ça. Merci beaucoup pour ton tips, comme tu l'appelles. C'est super gentil. Ah bah c'est fini. Ok, bah oui, ça a l'air d'être fini. On m'a dit de ne pas sélectionner, non? Non, ce n'est pas fini. Ah, mais du coup, qu'est-ce que je devrais écrire si c'est pas fini? Parce que là, je ne sais pas quoi mettre. Et je ne vois pas de message de la part du développeur qui tout à l'heure était dans le chat. Je l'ai vu. Je l'ai entrevu même. Ah, et qui me dit que c'est pas fini. Et qui me dit que c'est pas fini. Et qui me dit que c'est pas fini. Tu as terminé le jeu. Félicitations. Ou pas. Je ne peux. Oh merde, je pouvais le bouger. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir essayé. Tu dois te rendre sur cette page avec une autre console. Console portable sortie en 2011. Si tu as la flemme, rends-toi sur Blabla Forever, nom de la console. Attends. Quelle console est sortie en console portable? C'est quoi? C'est la DS? Non, la 3DS? Console 2011. C'est intéressant là, ce que tu me proposes. Qu'est-ce qui est sorti en 2011? Ah, il y a la PS Vita? Non, je sais pas. Quand est sortie la PS Vita? Après, il faut voir si c'est sorti en France, si c'est sorti aux États-Unis. Si tu as la flemme, rends-toi sur Blood Forever slash énigme slash nom de la console. Alors, DS. Désolé, c'est pas ici. Alors, 3DS. Et c'était 3DS. Mais what the fuck, la 3DS est sortie en 2011? Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'étais persuadé que la 3DS était sortie beaucoup plus tard. C'est aussi vieux que ça? La 3DS a 6 ans déjà? Ah, ça me fout un choc. Ok. Alors, il est temps de faire un choix. Il faut ouvrir une clé. Non, il faut trouver une clé pour ouvrir la porte du milieu, mais où la trouver? Ben, j'imagine qu'il faut les... Non? Ah, ça aurait pu, non? Non, j'ai rêvé. Bon, c'est pas grave. Si je clique ici, la porte numéro 3. Mais Thomas, que fais-tu là? La porte numéro 3, clique sur une pub pour continuer. Bombe de peinture magique transforme tout ce qu'elle peint en or. C'est rigolo. Le juste prix. Dans la vidéo Millionnaire en 2 minutes 40 de Thomas Sirix, quel est le prix de un post-it? Oh, tu me demandes d'aller regarder la vidéo? Ah, eh bien, allons-y tout de suite. On va s'écouter ça en live. Alors, la vidéo de... Ben, c'est cool, ça va lui faire de la pub. Alors, la vidéo s'appelle Millionnaire en deux... En plus, je crois que je l'ai vue cette vidéo. J'en suis certain même. Hiver en 2 minutes. 10 minutes 40, je tends l'heure des tomates pourries. Ah mais il y a 10 minutes de vidéo là, non, c'est trop long. C'est trop long. Bon, s'il y a quelqu'un qui le trouve direct, bien joué. Donc, quel est le prix de un post-it? Eh bien, on va voir ça. Hyper fort le son. Voici aussi voix officielle. Oh, c'est mignon, un petit chrono avec 60 secondes pour bien
400 C'est balles? 400 balles. C'est 400? 400 balles? 400 balles. Oh merde, c'est ça. 400 balles, très bien. Félicitations, tu as trouvé une clé. Retourne aux portes pour continuer. Elle a déjà été ajoutée dans ton inventaire. Mais sérieux, tu es capable de faire des trucs comme ça, mais c'est bien fait. Du coup, j'ai simplement à revenir en arrière. Oh. Et là, ouais, la porte était grise. Mais du coup, si je clique à gauche, il se passait quoi? On sait pas. Et si je clique au milieu? Ouf. Ouf, il y a du binaire. À contrôle A, rien. Est-ce qu'il faudrait pas que je copie-colle ça et j'aille dans un traducteur binaire? Oui, oh putain, il y a tout le monde qui dans le chat qui écrit 400, mais vous connaissez la vidéo de Thomas Parker ou comment ça se passe? Convertisseur de texte en binaire. Alors, je sais pas si c'est le bon réflexe que j'ai eu. En binaire, on va mettre ça, convertir en texte, et ça me donne. Va sur Twitter pour la suite. Le Twitter de Nathan TFM. Twitter. Tu vois là? Là, c'est une énigme beaucoup plus sympa. Moi, j'aime bien là. Moi, ça, j'apprécie. Alors. Non. Attends. Donc là, c'est clairement pas le bon. Pardon. Excusez-moi. Voilà, on va mettre Nathan dans la barre de recherche. Donc ça, c'est le compte que tu m'as dit d'aller voir, hein, on est d'accord, tu m'avais dit ça. Alors, mais chut, Twitter, tais-toi. Je suis Nathan, développeur de site et dessinateur professionnel, tout épinglé. À combien de personnes suis-je abonné? Tu es abonné à 98 personnes. Énigme slash abonnement. 98, mais c'est génial. Ah, c'est pas ça? 98? J'ai pourtant écrit 98, c'est pas ça que je devais. Ah non, pardon, je devais écrire abonnement à la suite. Non, voilà, je me suis trompé, c'est pas grave. 98, c'est fini. La suite est disponible pour, tu veux dire, dans un DLC à 1,99€. Vraiment? Pour de vrai? Clique ici pour l'acheter. Non, c'est fake. Information sur le produit. DLC des énigmes. 1,99€. Avis 7,8 sur 10. Information sur le produit. Le DLC fourni en partenariat avec EA Games, putain j'ai plein d'euros qui arrivent, je suis désolé, permet d'accéder à la suite du jeu et d'accéder à d'autres énigmes. Vous pouvez bénéficier d'un code de réduction en donnant le nom du jeu sur lequel Farod a fait une vidéo le 23 juin 2015. C'est trop bien. Alors en 2015, c'était l'été dernier, j'avais fait quoi comme vidéo Farod? Un jeu en .io. Un jeu en .io que j'avais fait. Slicer.io? Salut tout le monde. Oui, chut, chut. Le 23. Ah non, ça c'est le 23 avril. Curseur.io? Bonjour, oui. Chut, chut. Voilà, 23 juin 2015. Donc apparemment. Curseur.io. Voilà, si je fais ça, si je fais OK, je peux acheter le jeu. Suivi du colis. Et là, tu imagines, il y a quelqu'un qui vient toquer à ma porte, le truc le plus taré de ouf. Information sur le colis, blablabla. C'est un CD d'installation pas trop lourd. Une valeur pas beaucoup. Ah, c'est quoi? C'est que t'as pas fini de le développer? Revenez plus tard pour voir l'avancée. Ah, t'es en train de le développer peut-être et il n'y a rien d'autre? Ah. Intéressant. J'aimerais juste revenir sur ta page avec les portes, parce que du coup la porte de gauche n'a rien fait. Parce que du coup ça doit mener à autre part, ça, non, normalement. Mieux que Dieu. Alors, attention, il faut trouver quelque chose qui est mieux que Dieu, qui est pire que le diable. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et si on en mange, on meurt. Putain, c'est une, comment on dit, c'est une énigme trop connue. On a dû me la faire 1000 fois dans ma vie, et à chaque fois j'oublie. Oui, je suis en train de tricher, je vais regarder la solution sur Internet. Rien. Qu'est-ce qui est mieux que Dieu? Rien. Alors ça déjà c'est faux, moi je suis mieux que Dieu. Qu'est-ce qui est pire que le diable? Rien. Alors c'est faux, moi je suis pire que le diable. Les pauvres en ont, ils ont rien. Les riches en ont besoin. C'est vrai qu'ils ont besoin de rien. Si on en mange, on meurt. Si on mange rien, on meurt. Donc du coup, je dirais rien. Ta 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 ta. Rien. C'est pas ce que je cherche.
Comment ça, c'est pas ce que je cherche? Merci beaucoup, Geek. C'est quoi ce pseudo? Geek. Bon putain, je vais pas y arriver. Geek New slash Olivette qui me dit bonsoir. Eh ben bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Alors là, apparemment, il y a tout le monde qui connaissait par cœur l'énigme, tout le monde a balancé des riens et tout, mais c'est pas ce que je cherche. Bon, de toute façon, on s'en fout. Mais alors, du coup, monsieur le développeur du jeu, si tu peux m'avertir à tout hasard si ça se termine ici, je te saurais gré de me le signaler et je te serais très reconnaissant même. Tu as pris la porte 1. Porte 1. Ouais, non, mais je ne sais pas. Ah, il y avait un indice. Je ne cherche pas la réponse de l'énigme. Ah, peut-être qu'il fallait mettre rien, mais genre rien, rien. Eh non, je suis con, ça ramène au début. Alors, le développeur, m'as-tu laissé un petit message? Non, dans le chat, il n'y a rien pour l'instant. Le développeur, es-tu présent parmi nous? Le développeur, il a un avatar de vert. RIP mon pseudo, c'est clair. Il a un avatar vert d'Illuminati, normalement. Donc, développeur, est-ce qu'on s'arrête là? Voilà, c'est la question que je te pose. Ah oui, il a répondu. Le développeur me dit, c'est la dernière page. Il a été supprimé par le bot. C'est la dernière page et la première porte. Il y a une petite fuite, mais rien de bien fou. Ouais, c'est ce qu'on était en train de faire. Bon, eh bien, monsieur le développeur qui s'appelle Illuminati Bot, très bonne énigme. Voilà, ça c'était clairement le genre d'énigme que j'avais envie de faire en live ce soir et pas la première sur laquelle on s'est lancé qui était totalement folle. Mais putain, cette casquette, mais c'est le ridicule total. Mais regardez-moi ça. Horrible, horrible. Vous avez le droit de screener. Allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, on ferme ça, la porte 1, on ferme ça. Il nous reste deux petites énigmes. Normalement, ça va être facile. Top de départ. Top de départ. La page est toute bleue. La page est toute bleue. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Oui, ça me plaît ça. Il y a des choses cachées. Alors, on va faire contrôle A. Là, on est parti sur une toute autre énigme, une autre personne. Attention. Et voilà, normalement, c'est normalement plus simple. 02 09 05 10 14 22 05 14 21. Serait-ce des lettres de l'alphabet? Moi, je dirais que 02 c'est la lettre B, 09 E F G H I c'est la lettre I. Le 5 c'est un E. Le N E F G H I J K L M N N, ça part sur un bienvenue, c'est ça le truc? N M N O P Q R S T U V bien v ouais c'est ça bien veu le 5 c'est un E F G H I J K L M N bien veu bon bah c'est bienvenu quoi. Ok, très bien. Donc on nous a caché le mot bienvenue. Donc du coup à la place de top de départ je vais mettre bienvenue sans étoile. Alors à quoi avons-nous affaire Élise? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Prouve à Steven que tu ne l'as pas oublié. Oula, ça veut me faire regretter là. Oh, mais il y en a plein. Alors, qu'est-ce que c'est le délire? Ah, que je ne l'ai pas oublié. Je dois retrouver le vrai Steven. C'est-à-dire qu'ils ont tous des différences. Celui-là, il est bien, mais il n'a pas les petites rougeurs. Bah, lui, il manque les bras en fait. Lui, il lui manque les pieds. Lui, il lui manque le bec. Lui, il lui manque les cheveux et il a des trucs blancs dans les yeux alors que Steven, il n'en a pas. Lui, il aurait été parfait, mais il a des trucs blancs dans les yeux et Steven n'en a pas. Lui, il lui manque les étoiles sur l'écharpe. Donc du coup, les yeux, les rougeurs, le bec, les cheveux, le truc blanc. Non, je pense que c'est celui-là, le bon Steven. Donc du coup, je vais recopier son code. 7, 5, 8, 9, 1, 4. C'est ça. Ok, bravo. Bravo, tu es sur la bonne voie. Bravo, tu es sur la bonne voie. Une maman a 8 enfants et 5 pommes. Excellente sa vie. Comment fait-elle pour que chacun de ses enfants ait la même part de pommes? Attends, quoi? Une maman a 8 enfants et 5 pommes. Comment fait-elle pour que chacun de ses enfants ait la même part de pommes? Ils sont 5. Il y a 8 pommes. Mais. Alors, il donne une pomme à lui, une pomme à lui, une pomme à lui, une pomme à lui, une pomme à lui. 5, 6, 7, 8, il en reste 3. 3 que tu divises par 5, et non, ça va faire un nombre à virgule. En fait, il faut trouver un dénominateur commun entre 8 et 5, mais ça ne devrait pas être compliqué. Si je fais par exemple, donc on avait dit 3 divisé par 5, ça va pas. Si je fais, forcément, 5 divisé par 5, c'est ce que j'ai fait, ça fait 1, ça va pas. Si je fais 4 divisé par 5, ça fait 0,8, ça va pas. 2 divisé par... Non, je sais pas. De la compote! Mais non.
Mais non, mais arrêtez-vous! Mais arrêtez-vous! Je suis vraiment parti dans un délire tout seul alors que le mot c'était compote. Putain, je suis d'une nullité incroyable. Compote. Oh merde, mais non, mais je suis abusé. Elle tue trois enfants. Oh merde, la carte kiwi. Il ne faut parfois. Ouais, mais du coup, je suis allé chercher trop loin. Il ne faut parfois pas chercher bien loin. Mais l'évidence n'est pas forcément la solution. Et là, apparemment, tu nous fous quoi là? Tu nous fous le slogan de la carte kiwi? Allez, on va se la réécouter ensemble. Avec la carte kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi, et ta maman aussi. Et ton tonton aussi, et ta marraine aussi. Billets, s'il vous plaît. Kiwi, avec la carte kiwi, tout le monde fait prix. Oh merde. Oh merde, arrêtez. C'est qui a remis cette vidéo? Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Un enfant, une carte kiwi, et un voyage à moitié prix. C'était horrible. Horrible. Je suis désolé de vous avoir infligé ça. L'évidence n'est pas forcément la solution. J'imagine que si je tape kiwi, c'est nul, hein. J'imagine que si je tape kiwi, c'est pas ça, hein. Évidemment que c'est pas ça. Là, par contre, ça aurait été vraiment trop simple. Moi, je me suis dit, il faut aller chercher dans les commentaires de la vidéo. Peut-être qu'elle a laissé un commentaire. Non, ça pourrait trop facilement disparaître. Elle les garde comme ça, tous les enfants ont rien. C'est une solution aussi. Merci, Raven, pour ton petit don de 2 euros. C'est très gentil. Alors, tu me dis qu'il faut pas chercher bien loin. Peut-être le nom de la chaîne YouTube, ni Sarto. Non, pas ça. Ah, ça bug. Non, ça ne bug pas. J'aime bien les gens qui disent que ça bug et tout. L'année, tu veux dire? On m'a sorti une année là. Avec la carte Non, je kiwi, pense tu pas. payes un petit SNCF? prix. Tu crois? Non, c'est pas ça. Peut-être carte kiwi. Carte kiwi. Non, c'est pas ça. Peut-être compote de kiwi. Là, il y a plusieurs personnes qui me ressortent l'année, mais je pense pas que ce soit ça. L'année, c'est paumé quand même. Carte kiwi. En quelle année est sortie la carte kiwi, s'il vous plaît? Alors, lina.fr, on va voir ça tout de suite. Non, Kiwi, ça passe pas. SNCF, ça passe pas. Mister JD, je pourrais, mais elle n'a pas mis la vidéo de Mister JD, sachant que lui-même, il en avait mis une en ligne. 1987. 1987. Et c'est pas ça. Réduction, on peut faire ça aussi. Réduction. Attends, réduction. Les guignols. Je crois pas que ce soit. C'est pas les guignols qui font ça. C'est juste des marionnettes. Hein. Non, c'est pas ça. Moitié prix. Ah, putain. Mais non, parce qu'il y a un espace. Vous pourrez pas l'écrire. La réponse est simple, c'est Obélix. Oh merde. Ah, le lien YouTube. C'est pas bête du tout ce que tu viens de dire. Avec la carte Si je kiwi, prenais tu le lien payes YouTube moitié là comme ça, prix. ce Et ton truc-là. papa, avec la carte kiwi, tu Enfin, si payes c'est ça, moitié prix. c'est super Et idée. ton papa aussi. Ah putain, j'ai cru, c'est Et dommage. ton C'est dommage, tonton ça se reflète aussi. ça. Et ta marraine aussi. Billets, s'il vous Il doit y plaît. avoir quelque chose de caché là-dedans, là. Mais il n'y a rien en description, c'est ça qui m'étonne. Essaye, mais si c'est possible. Il ne faut pas chercher bien loin, mais l'évidence n'est pas forcément la solution. L'évidence n'est pas forcément la solution. Si je te mets le mot évidence. Sans l'accent, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Quel est le contraire de l'évidence? Quel est le contraire de l'évidence? Quoi, qu'est-ce que tu es en train de dire là pour que tu puisses prendre rendez-vous avec un coiffeur? Waouh, merci Heidi BDN. Sinon, j'adore toujours autant ton contenu, tous mes encouragements. C'est super gentil. Et merci pour ton don de 10 euros, c'est super sympa.
Et oui, je prévois d'aller chez le coiffeur dans quelques semaines. Alors, contraire du mot évidence. L'antonyme de évidence. Oh, improbabilité, indécision, incertitude, doute, mystère. Ce qui est évident, c'est improbable. Improbable. Je partirai sur un petit improbable. Improbabilité. Et c'est pas ça, improbable. Waouh, on bloque comme des oufs. Elle les garde comme ça. Ah oui, non, je l'avais déjà lu ce mot-là. Le mot est faraude, je ne pense pas. Et non. Inévidence. Inévidence. Non, mais je pense pas que ça existe en plus. Il n'y a pas un truc caché. Merde, j'ai beau faire un. Je prends tout, non, il n'y a rien de caché. Peut-être qu'il y a un mot, en fait, c'est un lien, et elle me l'a caché. Non. Peut-être les premières lettres. Peut-être les premières lettres, comme j'avais pu faire une fois. I-C-M-P-S. C'est ça, I-C-M-P-S. C'est pas ça. Possible. C'est pas ça. Le mot fruit. Parce que juste avant on avait compote et là on a kiwi. Tu penses qu'on part dans le champ lexical des fruits et ce n'est pas ça non plus. On m'a proposé train. On m'a proposé train et bug. Non. Non, évidence. Non, je pense pas que ce soit ça. Oh putain, t'es parti super loin, Lior. La réponse est 5, parce qu'ils sont 5 dans la vidéo et qu'en plus l'homme montre 5 avec ses doigts. Ça serait vraiment perché là par contre. Non. Et peut-être écrit. 5. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais c'était très très bien passé. Mais très cher, très perché. Le mot est impossible. Pourquoi impossible? Non, c'est pas ça. Ouh, c'est qu'on bloque. Voyage, je crois que je l'ai déjà fait. Non, ce n'est pas solution. Hey, mais c'est qu'on galère. Il doit y avoir un truc dans la musique que j'ai pas bien écouté. Attends, au début il y a écrit Univas. Qu'est-ce qui se passe si j'écris Univas? Dommage. Dommage, dommage. La réponse est mais. Non, solution, ça marche pas, j'ai déjà essayé. J'essaie de vous lire un peu pour voir s'il y a des bonnes idées, mais pour l'instant, la plupart des choses que vous proposez, on l'a déjà fait. Le mot est wagon. Non, mais please. Ça peut pas être ça, si? Non, mais non, c'est pas ça. Pourquoi il y a des gens. Non, non. Bah écoutez, on va réécouter la musique et on va voir si on entend quelque chose. Attends, là il y a un truc. Merde, non, j'ai mis plein écran, ça vous a fait tout bugger. Non, ça va? Non, c'est pour rien à bugger. Oh, j'ai eu peur. Il écrit quoi? Frog? Frog? F-O-R-G? Mais ça veut pas dire grenouille, ça? Non. Il faut écouter dans la chanson le moment où ils disent solution ou évidence. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. Aïe, aïe, aïe.
350 francs. Ils le disent à un moment dans la chanson que ça coûte comme ça. Oh merde. Oh merde. Ah, c'était ça. Oh putain, c'était ça. Attendez, je veux réécouter la chanson parce qu'à aucun moment dans la chanson, j'ai souvenir qu'ils le disent. Et puis, c'est aussi juste pour écouter la chanson parce qu'elle est cool. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. Kiwi. Voici la carte Kiwi, nos billets moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi. Putain, les mecs, c'est là. C'était là. C'était juste là. Carte Kiwi, 350 francs. Mais comment tu veux le trouver? Mais c'était trop bien. Mais trop perché. Mais trop bien. J'espère que ça te plaît. Si tu parles de ton énigme, pour l'instant, oui, ça me plaît énormément. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as fait des formes? Oula, c'est étrange tout ce que tu nous as fait là. Y a pas moyen de sélectionner. Est-ce que c'est du... C'est du morse? Oh, non. C'est du morse? Oh, coucou Lord Batter. Eh bien tiens, pour une fois, je vois ton message. Cool. J'espère que tu vas bien. Du morse. Ok, bah écoutez, nous sommes partis. On va partir sur un traducteur morse français. Et on va voir ce que ça donne. Traduire le morse. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Ça s'apparente à du morse. Point, point. Ouais, ça doit être du morse, je crois. Écoutez, moi, ça manque de pipe, tout ça. Morse. Code morse. Conversation, traduction en ligne. Et voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Écrire en morse. Ah, ben, parfait. Écrire en morse, parfait. Point, point, espace, tout ça. Bon, ben, ça va prendre 10 ans, mais... Je peux pas le copier-coller? Ah, je peux pas le copier-coller, c'est dommage. Écoutez. Alors, point, 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 espace, point, point. Oh mon dieu, ça va mettre 1000 ans. Et là, je vais à la ligne, tirer, espace. Ah ouais, ça va vraiment mettre 50 ans là, pardonnez-moi. Point, point, tirer, je vais à la ligne. Merde. Je vais à la ligne, 3 points, une barre, un espace, un point, un espace, 2 points. Putain. J'ai vraiment envie de le faire parce que là c'est long. Un point, une barre, je vais à la ligne, barre, point. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir fini avant moi, ça va me saouler. Évidemment, je le fais sur téléphone donc c'est plus lent. Hop, je vais à la ligne, barre, espace, point, barre, point. Je vais à la ligne, barre, espace. Ah oh, putain, ça me redescend à chaque fois. Il y en a qui disent des conneries. merde, je me suis perdu. T'es, j'en suis où là? Oh mon dieu, je ne reconnais pas. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6ème ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attendez, je me suis fait de la merde. C'est totalement pas ça qu'il fallait écrire. 3 barres, papa. Baron, baron, c'est bon. Barre tout seul. Ah d'accord, en plus j'avais sauté une ligne, très bien. Barre rond, puis alors barre rond, rond, espace, barre rond, espace, rond, rond. Ah, le truc le plus chiant du monde. Je suis sûr qu'il va y en avoir qui vont finir avant moi. Rond, espace, non, tirer. Ah, putain, je suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en suis à celle-là. Oh mon dieu. Donc c'est un rond. Je vais à la ligne. Une barre. Un espace. Non, je suis en train de faire n'importe quoi là, ça me saoule. Ah, sur téléphone c'est le bordel. Je vais plutôt ouvrir un navigateur parce que là je fais n'importe quoi, pardon. Excusez-moi pour le temps que je mets. Et en plus il y a des gens qui me disent que c'est pas du morse. LOL. Alors. Traduction. Morse. Si, c'est du morse. Attends, des ronds et des barres comme ça, c'est que du morse. Ah, peut-être qu'il faut que je l'écrive morse dans l'URL, peut-être, si c'est que ça. Non, mais moi, je pense pas. Je pense qu'il y a une énigme écrite en morse et il faut aller plus loin. Là, mais là, du coup, il va juste falloir me laisser le temps, en fait, de tout traduire et je suis désolé, ça va prendre du temps. Enfin, ça va prendre du temps, ça va pas prendre plus de 5 minutes, quoi, mais
C'est long, quoi. Voilà. Traduction de texte en ligne. Parfait. Voilà, c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure. Ça ira plus vite. Rond, rond, rond. Espace, rond, rond. Donc là, il y a écrit « si ». Barre, espace, rond, rond, tiré. Si tu. Voilà, si tu. Rond, rond, rond. Barre, espace, rond, espace, rond, rond. Barre, espace, barre, rond, rond, barre. Si tu veux. Voilà, moi, je vous traduis en temps réel ce qui est écrit. Ah, merde, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit. C'est quoi ? Si tu veux continuer, tape coco. Bah, si c'est ça, ça ira plus vite. Hein, avec un H. Coco. Et je l'ai mal écrit. K-H. K-H-O. Coco. Bah, c'est pas ça, du coup. J'imagine que c'est le dernier mot qu'il faut traduire. Le dernier mot en morse, c'est... Barre, rond, espace, rond. Non, écoutez, moi je vais le faire dans l'ordre, je vais continuer. Donc, si tu veux... barre, rond, espace, barre, espace, barre, rond. Si tu veux con... C'est exactement ce que tu es en train de me dire. Hein. Rond, rond, espace, barre, rond, espace, rond, rond, barre. Si tu veux conti... Ta-ta-ta-ta-ta... Continuer, c'est exactement ça. Barre, espace, barre, espace, rond, barre, rond, espace, rond. Tape. Ah, t'avais raison. Tu avais raison. Barre, rond, espace, 4 ronds, espace, 3, barre. Chaud. Non, je peux pas le croire. Baron, baron, espace, bar. Co. On va continuer. On va aller jusqu'au bout. Et je crois savoir ce que c'est. C'est ça, chocolatine. Ok. On me demande de taper chocolatine. Ok, bravo. Très bonne énigme. Chocolatine. Mais évidemment, depuis tout à l'heure, dans le chat, je vois tout le monde taper chocolatine. Mais enfin, au début, je crois que c'était pour le délire, en fait. Mais forcément, vous l'avez tous trouvé. Alors, nous avons un menu. En bas, nous avons, j'imagine, rien. Oh, animal de compagnie de la famille des félins. Le tigre, je ne sais pas, moi. Le chat. Mais du coup, pourquoi c'est écrit là ? Ah, il y a des énigmes cachées. Ah, t'es en train de nous faire un rébus, un truc comme ça. Donc, alors, chat. Expression la plus populaire d'Homer Simpson. C'est le to, mais ça s'écrit D apostrophe OH. Mais ça se prononce to, normalement. En numéro 3, nous avons le mm-mm de la main. Le mm-mm de la main, le pouce, peut-être, pour interrogation, je ne sais pas. Et en 4, nous avons... Entrepose de l'eau. Waouh, on est parti dans un délire là. Château. Château. Pousse. Entrepose de l'eau. Entrepose de l'eau. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Entrepose de l'eau. Tu parles d'un objet qui entrepose de l'eau? Ah non! C'est le 4, c'est le tout. Donc quelque chose qui entrepose de l'eau. Donc un château. Un château d'eau. D'eau. Le mm de la main, le dos de la main. Donc, où je suis pas sûr de ce que je viens de faire. Château d'eau. Écoutez, on peut essayer. Château d'eau. Non. Ah non, c'est ici qu'il faut l'écrire. Château d'eau. Je crois que c'est bon. Waouh! Waouh, celui-là, il était un peu perché parce que tu vois, château d'eau, il aurait fallu l'écrire avec un espace. Une apostrophe et tout, donc j'ai eu un peu de bol, c'est cool. Et quelle heure? 23h32 quand même, pas mal. Oh, j'ai loupé des dons, excusez-moi. Arnaud3022 qui était présent sur un précédent live, qui a donné 2 fois 1 euro, merci à toi. Et ensuite, Real Ray qui a dit, tiens petit cadeau, continue avec 2 petits cœurs. Eh ben, je te renvoie avec plaisir les 2 petits cœurs, tu les gardes soigneusement. Mais merci à toi pour ton petit don, c'est très gentil. Tu es sur le bon chemin lorsque regarder derrière ne t'intéresse plus. J'ai envie de regarder derrière.
Et je regarde derrière. Oh! Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi les tartinex? Tout est une question de logique et de déduction. Tartinex. Et derrière, il y a du pain. Il y a des images de pain. On parle de tartinex. Donc tartine. L'espèce de farine pour faire du pain, je sais pas. Tartine. Ah, c'était ça? Oh putain, c'était tout con. Bravo, tu progresses bien, mais sauras-tu trouver la solution ici? Oula, ça veut dire quoi? Que ça va être super, super dur, c'est ça que tu es en train de me dire? Alors là, il y a un bateau, mais je crois que c'est pas fait exprès. Donc là, il y a une musique de Ocarina of Time, il a écrit cherche bien. Cherche bien. Oh, ça me plaît ça. Tu as caché des indices, c'est très bien. Écoutons la musique, même si je vais devoir parler par-dessus, attention, parce que sinon, il y a des copyrights. Nintendo, ils pardonnent pas là-dessus. Tintin. Ok, c'est la musique de la ville au début, hein, juste avant le temple du temps. Je vous la fais écouter rapidement. Mais je parle en même temps dessus pour que vous puissiez pas, enfin pour que le robot YouTube ne puisse pas me détecter la chanson ensuite quand il y aura la rediffusion du live. Du coup, je vous laisse encore un peu de temps d'écouter. Là, la musique va se lancer, ça va faire tout comme ça. Et ok, très bien. Mais ça m'avance à rien en fait. Indice numéro 1. Diviser, je ne signifie rien. Diviser, je ne signifie rien. Que ton souhait soit bon ou mauvais, je le réaliserai. Merci beaucoup, Michael Rivello ou Michel Rivello. Yo Farod, j'adore ce que tu fais, continue. Avec un petit smiley comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Et le retour de Manon, la fameuse Manon MNT. Eh bien, merci beaucoup, Manon, et je te renvoie le cœur comme tu viens de me le faire. Merci beaucoup. Alors, diviser, c'était quoi? Je ne signifie rien. Que ton souhait soit bon ou mauvais, je le réaliserai. Je suis convoité par beaucoup, mais peu peuvent me posséder entièrement. Ah, mais c'est la Triforce! Mais c'est clairement la Triforce! Diviser, je ne signifie rien. Que ton souhait soit bon ou mauvais, elle propose quand même de réaliser le souhait. Je suis convoité par beaucoup, mais peu peuvent me posséder entièrement. C'est le cas. Cette musique que j'ai mise au début, crois-tu que. C'est la Triforce que tu veux me faire deviner, c'est ça, non? Triforce. Et c'était vraiment ça. Waouh, trop trop bien. Tu es vraiment doué. Si tu as fait tout ce chemin sans tricher, bien sûr. Il y a peut-être eu une fois qu'on a triché, je me souviens plus, je sais pas. C'est bientôt la fin de cette chasse au trésor. J'espère que tu as profité. J'ai beaucoup profité, c'était très très cool. Avant de te conduire vers le dernier site, j'ai un petit cadeau pour toi. Clique ici. J'espère que tu m'as pas mis de jumpscare. Ah, ça ouvre. Oh merde. Oh merde. Une vidéo de moi avec le fond vert, sérieusement? Ok. Eh bien, allons-y, Elise, voyons voir ça. Voyons voir ça. Bonjour, je m'appelle PewDiePie. Oh merde. Ça part sur une vidéo réaction T'es sérieux, fond là? vert en direct là. Burnout. Je sais pas s'il y a des messages cachés peut-être dans ta vidéo, c'est possible, hein. Faut bien regarder. Son double maléfique l'a rendu fou. Oh mon dieu, il pète totalement un câble. Voyons ce qu'il est devenu. Il va twerker. Et là, il fait du. Chocolate Danson, je sais plus comment on dit. Et là, il fait du poupi dans Malcolm. À tous les micos. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un message caché? Wait for it. On a eu du Star Wars. Est-ce que c'est grave, docteur? Petite pause musicale, le temps de remettre Farod dans le droit chemin. Le mot placé dans le lien. L'indice, le mot placé dans le lien est ici. Allez, c'est bon. Poki? Ça suffit. Poki? Bonjour, je suis le vrai Farod. Tu veux du poulet ou pas? Je regarde derrière. Ah, très bien. Vexé. Alors, Il y a le mot vexé là. Bon, ben c'est parti. Alors, Poki. Poki versé. Merci d'avoir regardé. Maintenant que cette vidéo est terminée, je t'invite à coller le mot que tu as trouvé dans le lien. Je dirais que c'est Poki. C'est vexé. Il n'y a rien d'écrit. Alors, il y a eu des messages qui sont passés. La carte. Nous avons reçu un don de la carte Kiwi. Je tiens à le préciser, c'est génial. Un don de 1 €. Merci à la carte Kiwi. MDR, tu dois avoir marre de moi. Mais bien sûr que non, j'en ai pas marre de toi. Bon, c'est gênant parce que du coup, on ne parle que par don. Du coup, c'est extrêmement gênant pour moi parce que j'aimerais bien mieux te voir dans le chat pour pas t'obliger à payer pour rentrer en contact avec moi. Mais du coup, merci beaucoup, Manon, c'est très gentil. Et merci à. Je le vois ici. VGX Max Nintendo, salut Farod, j'adore tes vidéos, continue ce que tu fais, tu gères, continue comme ça sur YouTube. Je te spamme de pouces bleus, c'est super gentil ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, et promis, je continue. Donc du coup, je dirais vexé.
Mais j'en suis pas sûr. Hein. Hey, c'était pas le mauvais accès. Peut-être sans accent? Non, je ne me souviens plus comment elle a écrit. Fait que c'est un... Ah, par contre, il y a un point. Attends, quoi? Vex. Non. Alors, vexé avec un... Mais je fais n'importe quoi. Voilà, vexé avec un point. Non, c'est pas ça. Alors, Pookie. Pookie, c'est pas ça non plus. Mais quoi? Farod verra-t-il ce commentaire lors de son live? Ah, mais il y a déjà des gens qui ont anticipé le truc et qui ont déjà... Oh mon Dieu, mais vous êtes un milliard, mais vous avez trop anticipé le truc de ouf. Bravo. Mais du coup, je ne sais pas quel est le mot. Alexis. Oh, Alexis, le fameux Alexis de l'autre fois. Je ne saurais toujours pas mieux dire ton nom. Schreier, Alexis Schreier. Merci pour ton live. Non, merci à toi d'être présent, c'est gentil. Et merci à tous ceux qui regardent la vidéo actuellement. Donc, on avait dit indice, le mot à placer dans le lien est ici. Ah, peut-être que c'est le mot ici en fait qu'il faut placer. Ça serait sournois, je pense. Ah, dommage, j'y aurais cru. Pookie, je l'ai fait, je crois. Avec un Y, je sais plus si j'avais mis un Y. C'est pas ça. Vexé avec un V majuscule. Mais les majuscules ne changent rien en fait. Désolé. Indice, le mot à placer dans le lien est ici. Tu vois, ça aurait été trop bien si c'était le mot ici. Pourquoi vous dites tous que c'est ici? Je l'ai essayé le mot ici, non? Ou c'était dans ma tête? Non, non, je l'avais déjà essayé. À placer dans le lien. À placer dans le lien. Point? Parce qu'il y avait un point à la fin? Non, c'est pas ça. Pikachu? Tout de même. Fais gaffe, je te lâcherai pas. Oh mon Dieu. Merci encore pour ton don de 5 euros, c'est gentil. Pikachu, c'est l'image. Je pense pas que ce soit Pikachu. Non, c'est pas Pikachu. C'est pas comme ça. C'est clairement. Elle a voulu dire que c'était un mot. On va aller voir dans les commentaires les plus récents. On va aller voir le dernier, voir si elle a elle-même écrit un commentaire sous sa vidéo. J'ai pas compris ce qu'il fallait mettre, mis à part que c'est super bien. J'adore le double Flying Fickmarole. J'ai réussi à avoir Farod, attention, il y a deux personnes dans pas longtemps. Bon, ça c'est vous qui êtes arrivé entre temps. Du coup, je rafraîchis juste pour voir si le nombre de vues a changé. Ah, on est quand même passé de 27 à 147. Donc il y a quand même des gens qui suivent bien la vidéo. C'est pas grave, j'aime te faire des dons. C'est adorable, mais c'est extrêmement gênant. Je te fais de gros bisous maintenant, c'est très 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 gentil, merci beaucoup. Indice. Pourquoi tout le monde dit indice? Pourquoi indice? Merde, c'était le mot indice. Qu'est-ce qui vous a fait penser à indice du coup? Bon, ça suffit. Attends 2 secondes. Ah, parce qu'il était le mot à placer dans le lien est ici. Indice. Oh, c'est farfelu. C'est tellement, tellement cherche. Ok. Même Alexis me l'a dit, essaye indice. Super Tola. Super, j'arrive pas à parler, c'est la fin. Super ton live, on t'adore. Un message de Akihiro YY. Merci beaucoup, Akiro, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Ici s'achève l'énigme à laquelle tu viens de participer. J'espère que cette petite, oui, elle était plus grande que la mienne en tout cas, cette petite chasse au trésor t'a plu et merci d'avoir joué.